Donc, je m'appelle Sébastien Brault. Je suis développeur, développeur mobile même depuis à peu près une dizaine d'années. Et développeur même... Pardon. C'est bon. Développeur mobile, voilà. Développeur mobile depuis une dizaine d'années et même uniquement sur les téléphones comme une pomme au dos. Quand je fais pas du développement à titre personnel, je fais un peu d'apiculture. Et je ne vais pas vous parler de ça ce soir. Et puis, parmi mes autres centres d'intérêt, il y en a un qui m'a donné des insomnies il y a quelques mois, on va dire. C'est l'environnement et le réchauffement climatique en particulier. Et donc, l'année dernière, il y a un rapport qui a été produit par le GIF Project. Donc, c'est un think tank qui cherche des solutions pour décarboner la société et l'économie, qui s'appelait les impacts environnementaux du numérique. Donc ça faisait deux sujets qui m'intéressaient particulièrement. Et poser la question de savoir si le numérique, finalement, est-ce que ça fait partie du problème ou de la solution quand on parle d'environnement. Okay. Question qu'on ne se pose pas naturellement. Si je vous dis gaz à effet de serre, vous pensez plutôt à voiture diesel qu'à smartphone. Et en fait, quand on regarde, il y a deux écoles. Vous avez des gens pour qui le numérique, de manière évidente, c'est une partie de la solution. Ça va permettre de faire des économies sur la fourniture d'énergie, de la rendre plus intelligente, etc., etc. C'est même quelque chose qui permet de baisser les gaz à effet de serre. Si on ne l'avait pas, on en ferait plus. On trouve même des positions qu'on peut qualifier de caricaturales. Les technologies sont les réponses à tous les défis. Voilà, ça c'est au moins c'est clair. Et puis, vous avez une autre école. Qui réunit des gens un peu d'horizons divers. Donc Philippe Biwix, c'est un spécialiste en épuisement des ressources, qui a écrit « L'ère des low-tech », quelqu'un de très intéressant à écouter. Ou quelqu'un comme Cédric Villani, qui n'est pas du tout un partisan des low-tech. Mais tous ces gens-là pressentent bien que, quand même, quand on parle de numérique, il y a un sujet sur l'énergie. Et donc, les objectifs du rapport, ça a été un petit peu d'être capable de déterminer un peu la consommation électrique et les conséquences de la consommation électrique qui est liée au numérique, essayer de la mesurer, de voir comment elle évolue, savoir ce qu'on pourrait trouver des leviers un peu pour corriger éventuellement des défauts. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas trivial, parce que la consommation électrique du numérique pour les entreprises, la consommation électrique dans les entreprises, pour leur partie informatique, il y a quelques entreprises qui la connaissent, mais c'est pas la règle. Et dans les pays, au niveau d'un pays, on ne le connaît pas. Et donc, en fait, pour essayer d'évaluer ça, ils sont appuyés sur un certain nombre d'études universitaires, des gens qui décrivent des modèles. Donc, c'est des modèles qui sont explicités, les méthodologies sont explicitées. Donc, ça permet d'en prendre plusieurs, de les comparer et de voir si on trouve des résultats cohérents à partir de données de parc. Et dans leur étude, ce qu'ils appellent le numérique, ils incluent réseaux de télécommunications, data centers et terminaux. Et dans les terminaux, on met tout ce qui est là, ordinateur portable, tablette, smartphone, les télévisions connectées, les box, les équipements audiovisuels, et on exclut tout ce qui est intégré aux voitures. Et donc, quand je dis consommation énergétique, j'inclus tout, j'inclus. Donc, c'est des données qui sont mondiales. Dans tout ce que je vais vous montrer, sauf si je dis le contraire, si je le précise à un moment donné, c'est des données mondiales, et ça inclut la partie fabrication et utilisation. Ce n'est pas l'énergie électrique du numérique, c'est toute l'énergie utilisée pour de la fabrication et l'utilisation. Et donc, on obtient des chiffres comme ça. Si on regarde entre 2013 et 2025, donc jusqu'à 2017, c'est des données dites de parc, quoi. On regarde ce qu'on consomme et tout. Et puis après, on fait tourner les modèles et on regarde ce que ça donne en termes d'évolution. Et on a quelque chose qui, grosso modo, fait x3 entre 2013 et 2025. Et là, il y a quatre scénarios. Il y a quatre scénarios. Donc vert, c'est vraiment vous prenez la tendance connue 2013-2017 à l'époque où on fait l'étude, et puis vous la continuez. En bleu, vous en avez une où à partir de 2018, en bleu, celle où on a des gains d'efficacité énergétique qui permettent de la contenir un peu, cette consommation. En rouge, vous avez la même chose, mais à partir de 2020, au niveau des gains d'efficacité énergétique, on plafonne, on n'arrive plus à faire mieux, donc ça commence à s'envoler. Et puis, en violet, vous avez un scénario dit de sobriété.
Donc, scénario de sobriété, c'est pas on vit comme les Amish. Hein, c'est comment dire, toute personne sur la planète a un smartphone en 2025 et par exemple l'augmentation des trafics réseaux, c'est 15% par an. Donc c'est sobre dans une certaine mesure. Donc on est quand même sur une consommation qui augmente de 9% par an. Donc 9% par an, on double tous les 8 ans, 9% par an, c'est beaucoup. Hein. Si vous prenez votre salaire et que vous faites 9% par an pendant 5 ans, vous allez voir, ça fait un truc assez sympa. Et qu'on peut mettre en parallèle avec la consommation énergétique totale, qui, elle, augmente environ de 1,5% par an. Donc c'est quelque chose qui augmente beaucoup plus. Alors après, ça peut être quelque chose qui augmente beaucoup, mais qui est tout petit. Si vous avez quelque chose qui est infiniment petit, qui augmente beaucoup tous les ans, il va falloir un certain temps avant que ça soit gênant. Donc c'est intéressant de regarder ensuite quelle part ça représente de la consommation énergétique totale. Et donc, par exemple, si on regarde en 2013, on est à 1,9%. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, la France, en 2015, elle consomme 1,6%. De la consommation énergétique mondiale. La France, qui est la 6e-7e puissance mondiale. En 2017, on arrive à 2,7, là, vous arrivez au niveau de l'Allemagne. Et en 2020, à 3,3, vous êtes au niveau du Japon, sur les projections. Et puis après, 2025, c'est pareil. Alors, on retrouve nos trois scénarios avec de l'efficacité énergétique, avec des gains d'efficacité énergétique, avec un pic des gains d'efficacité énergétique en 2020, et puis un scénario de sobriété. Vous avez en 2025 des trucs du style 4,5% de l'énergie mondiale totale. Donc, ça fait par exemple, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les bunkers. Les bunkers, c'est tous les vols et bateaux internationaux. On les attribue, comme c'est des échanges entre pays, on les compte à part, on ne les attribue pas à un pays plus qu'à un autre. Donc c'est l'équivalent de ça. 6%, vous êtes au niveau d'un continent, comme l'Afrique, qui est certes pas le continent au monde qui consomme le plus d'énergie, mais quand même, on arrive à l'échelle d'un continent. Et puis 3,2, vous restez dans un scénario de sobriété, vous restez au niveau du Japon, ce qui est déjà beaucoup. Alors, donc c'est quelque chose qui augmente vite, 9% par an, et qui, en termes, est significatif. À l'échelle mondiale, ce n'est pas un tout petit truc dans un coin. C'est du niveau d'un pays industrialisé. Et si on essaye de regarder ça, comment ça se traduit en gaz à effet de serre, il faut regarder un petit peu, comme c'est des données mondiales, on regarde le mix énergétique mondial, qui est encore, aujourd'hui, à 80% des énergies fossiles, okay, charbon, pétrole, gaz. Et puis après, vous avez tout le reste, du nucléaire, de l'hydraulique. Et puis tout à fait en haut, là, vous avez les ENR. Enfin non, il n'y a pas que les ENR. Oui, éolien, solaire, il n'y a pas l'hydraulique dedans. Donc, il faut savoir que ce qui a augmenté, on parle toujours des panneaux solaires et des éoliennes, mais ce qui a augmenté le plus en valeur absolue sur les 15 dernières années, c'est dans l'ordre le charbon, le gaz, le pétrole. C'est ça qu'on a pris le plus. Donc, quand vous regardez cette consommation énergétique, comment elle se traduit en gaz et effet de serre, compte tenu évidemment d'un mix énergétique mondial qui est très fortement carboné, on a quelque chose comme ça, on est à 2,5 en 2013. Les gaz à effet de serre liés au numérique en 2013, c'est 2,5%. Alors pareil, pour vous donner un ordre de grandeur, la France en 2012, c'est 1,1%. Déjà deux fois la France. Okay, 4% en 2020. Vous êtes sur l'équivalent de l'Inde, par exemple. En ordre de grandeur, faut jamais regarder sur ces trucs-là. On regarde en ordre de grandeur, on regarde pas la virgule près. Donc vous êtes sur un pays comme l'Inde. Donc l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants en 2015, un mix énergétique assez carboné. Donc c'est pareil. Alors l'Inde, c'est pas le pays le plus consommateur du monde, mais bon, voilà. Et puis après 8% en 2025, c'est une répartition des gaz à effet de serre par secteur. Donc les deux gros, c'est les centrales à charbon aujourd'hui et puis l'agriculture. 8%, ça représente l'ensemble des transports voiture plus avion ou voiture plus bateau au niveau mondial. C'est plus que les centrales électriques qui tournent au gaz et au pétrole. Donc c'est quelque chose qui est vraiment conséquent, quoi. Et tout ça, donc le taux de croissance, c'est 8% par an, c'est 9% la consommation énergétique. 8% par an, vous doublez tous les 9 ans, donc c'est vraiment beaucoup. Dans un contexte où, en 2015, quand on signe les accords de Paris, où on vise de plafonner à 2 degrés de réchauffement
en 2100, bah, pour faire ça, il faut faire moins 5% par an, tous les ans, à partir de 2020. C'est-à-dire qu'on dit qu'on pique, à partir de 2020 on pique, et puis après on descend. Et en plus, là je mets 2020, mais à mon avis, ça aurait plutôt été 2018, mais comme c'est trop tard, on se laisse une petite chance encore pour dire qu'il faut le faire à partir de 2020. Donc c'est pareil, 5% par an, tous les ans, pendant quelques décennies, c'est énorme. Vous faites pareil sur votre salaire, vous enlevez 5% par an, et ouais, au bout d'un moment, c'est compliqué. Enfin, faut enlever des choses, sinon ça tient plus. Donc, je suis pas en train de vous dire que le numérique, c'est le vilain petit canard, que c'est pire que tout, que tout est de la faute du numérique. C'est pas du tout ça le propos, hein. Sur les 197 signataires de la COP21, il y en a il y en a 16 qui respectent leurs 16 qui respectent leurs engagements. Et c'est pas les 16 les plus pollueurs. L'année dernière, la France était en 2018, c'est plus 1,7% sur ses gaz à effet de serre. Donc c'est pas que le numérique qui fait ça. Donc je dis pas que le numérique est... Et puis il y a des avantages en plus. En échange de ça, il y a des avantages économiques, il y a des avantages sociaux, il y a des avantages culturels. On n'a pas tout ça. C'est pas un truc qu'on met dans un puissant fond avec rien en échange. Mais il faut quand même rester conscient que c'est quelque chose qui est gros et qui grossit beaucoup et plus vite que la moyenne. Alors après, c'est intéressant de regarder un petit peu la distribution, où est-ce qu'on consomme le plus. Alors si vous n'aimez pas les graphes et les tableaux, il ne fallait pas venir ce soir. Il y en a quelques-uns. Là, c'est un graphique qui, je vous ai mis sur les couleurs chaudes, tout ce qui est lié à la fabrication, okay, et couleurs froides en bleu, tout ce qui est lié à la consommation. Et donc, par exemple, si vous prenez... la fabrication ici des smartphones, si vous additionnez fabrication des smartphones, des ordinateurs, des télévisions connectées et les équipements qu'on met dans les data centers et les réseaux, vous êtes déjà à 45%, presque la moitié. Presque la moitié de la consommation énergétique du numérique, elle est liée à la fabrication. Ce qui n'est pas quelque chose d'intuitif, en fait. Et ou si vous vous amusez à faire uniquement pour les devices, donc vous prenez smartphone, ordinateur, télévision connectée, vous laissez les équipements data center et vous prenez la consommation qui est liée à ces terminaux-là, bah là, vous êtes à 60%, presque les deux tiers. Les devices, les terminaux, c'est les deux tiers de la consommation énergétique. Ce qui veut dire que quand vous regardez ou quand vous lisez un article de presse où on vous parle de consommation du numérique, en général, on vous met plutôt un data center avec des panneaux solaires dessus. Sauf que ça, c'est 20%. Ce qu'on devrait vous mettre pour être représentatif de la consommation énergétique du numérique, c'est une usine en Chine avec des ouvriers qui fabriquent des téléphones et puis bah, une mine de charbon parce qu'en Chine, 80% de l'électricité est produite au charbon. Ça, c'est représentatif de la consommation. Beaucoup plus qu'un data center avec des panneaux solaires dessus. Mais bon, c'est moins glamour, effectivement. Sur le cycle de vie d'un terminal, hein, votre smartphone, quand vous l'achetez et que le carton arrive, là, qu'il est... posé ici, ben vous avez déjà fait 90%. Il a déjà consommé 90% de tout ce qu'il consommera dans son cycle de vie. Un MacBook, là, que je dis pas de bêtises, l'ordre de grandeur, je me corrigerai si je dis une bêtise, l'ordre de grandeur, c'est 2000 kWh pour le fabriquer. Et l'ordre de grandeur, toujours pareil, en consommation, il va consommer 45 kWh par an. Donc le problème, ce n'est pas ce que j'en fais à l'usage, mais c'est vraiment que ces trucs-là, plus vous les gardez longtemps, plus ce que vous aurez investi au début, vous allez l'étaler sur longtemps, et plus c'est intéressant. Et c'est un peu moins après pour les ordinateurs et les télévisions connectées. C'est pas parce que quelque chose est petit à fabriquer quelque chose est petit qui nécessite peu d'énergie pour le fabriquer. Par exemple, là, si on prend pour fabriquer 1 gramme de smartphone, c'est 4,7 mégajoules. 1 gramme de voiture, c'est 0,06 mégajoules. Il faut 80 fois plus d'énergie pour fabriquer 1 gramme de smartphone qu'1 gramme de voiture. Alors, effectivement, une voiture, c'est plus gros qu'un smartphone. Mais bon, ça donne une idée. Alors, le problème, c'est avec la miniaturisation, ça complique tout ce qui est recyclage. Ici, le volume de terre déplacé pour un smartphone. Alors, volume de terre, si on prend en compte que ces métaux-là, qui sont des métaux classés comme sensibles par l'Union européenne. Donc, vous faites, pour 50 cm3 de smartphone, vous déplacez 2 litres de terre.
Sur tout ce qui est métaux rares, je reste pas dessus. Il y a quelqu'un qui s'appelle Guillaume Pitron qui a écrit La guerre des métaux rares. Et donc, il y a un livre et puis il y a quelques conférences en ligne de lui qui sont vraiment bien. Et il explique un peu toutes les problématiques qu'il y a autour des métaux rares. Il explique comment, dans les années 80, les Américains et les Français avaient des mines de métaux rares ou le raffinaient. Le problème, c'est que c'est extrêmement polluant. Ça a été évacué en Chine, donc ça avait pas mal gueulé en France et en Europe. La Chine a dit, moi, l'environnement, je m'assois dessus, je vais les produire, vos métaux rares, donc on les a emmenés là-bas. Et comment, en fait, tout ça s'est retourné, comment les Chinois ont utilisé ça, aujourd'hui, ils contrôlent à peu près 80%, ils contrôlent ou ils produisent, ça dépend, 80% de la production des métaux rares au niveau mondial. Guillaume Pitron dit que le pétrole, c'est 14 pays qui contrôlent 40% du pétrole. Les métaux rares, c'est un pays qui contrôle 80% des métaux rares. Donc les métaux rares, ça intervient et dans nos smartphones, mais aussi il y en a dans les éoliennes, il y en a dans les voitures. Et donc il y a aussi un troisième problème, c'est qu'on travaille dans un univers fini, avec une quantité finie. Et que la concurrence des usages, si vous voulez des batteries et dans les voitures et dans les smartphones et vous voulez des choses comme ça dans les éoliennes, y a un moment donné, il y a des tensions autour de l'approvisionnement de tout ça parce qu'on ne peut pas tout fournir. Alors, par exemple, le néodyme, je crois que c'est le néodyme, c'est quelque chose qui est utilisé pour faire des aimants permanents. Alors il y en a dans les moteurs de voitures, ça permet de faire des choses très petites. Les moteurs de rétroviseurs des voitures, il y a du néodyme dedans. Il y en a aussi dans les éoliennes. Et la demande est déjà ou va bientôt dépasser la production. Donc Guillaume Pitron, je vous le conseille, c'est assez intéressant à écouter. Donc j'ai parlé de la distribution, enfin la consommation énergétique sur les terminaux. Là, c'est la distribution des gaz à effet de serre. Donc si on regarde, on obtient les mêmes ordres de grandeur, hein, c'est-à-dire que quand vous avez votre smartphone qui arrive sur votre bureau, il a déjà fait 81% de ces gaz à effet de serre. Là, il y a le recyclage qui est pris en compte et puis l'utilisation. Alors sachant que ça, c'est des données en moyenne mondiale. Donc je me suis amusé à refaire des calculs qui sont approximatifs. En France, vous choisissez la formule qui vous convient, grâce au nucléaire ou à cause du nucléaire, comme vous voulez. On a une électricité qui est assez peu carbonée. Donc du coup, si la partie usage en termes de gaz à effet de serre, elle est réduite à peanuts, parce qu'il y a d'autres inconvénients pour le nucléaire, mais il n'y a pas celui des gaz à effet de serre. Si vous la réduisez à peanuts, en France, vous êtes à plus de 89,7. Vous êtes déjà à 96,4% des gaz à effet de serre qui sont faits par votre smartphone quand vous l'achetez. Quand il est posé, ça y est. Si vous le laissez dans le bureau, c'est déjà fait. Donc, vous me voyez venir, ça veut dire que tous ces machins-là, plus on les garde longtemps, plus ils sont réparables, plus ils sont durables, moins leur impact sur les gaz à effet de serre. C'est pas juste parce que c'est cool de garder son truc longtemps et que voilà, ça permet d'économiser de l'argent en plus, mais c'est un vrai impact. Celui-là, c'est la distribution des émissions par composant. Alors ici, vous avez un graphe qui vous donne le pourcentage d'un élément dans un smartphone en masse, et puis ce à quoi il correspond en gaz à effet de serre. Alors par exemple, moi j'avais été un peu surpris en voyant ce truc-là. Sur un smartphone, vous avez une grosse partie qui est l'alimentation, en fait. Ils l'ont compté avec. Alors c'est con parce que ça fausse un peu les calculs au niveau du smartphone, mais c'est intéressant de voir qu'en termes de masse et en termes de gaz à effet de serre, c'est super important, quoi. Ce qui veut dire que quand l'Union européenne dit on va vendre des alimentations pour les smartphones qui sont standards, qui sont toutes les mêmes pour tout le monde, voire même, je crois qu'il y a un opérateur anglais, c'est O2, qui, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas où il a été question de vendre des smartphones sans les alimentations. Alors ça peut être aussi parce que ça permet d'augmenter les marges bénéficiaires des fabricants de téléphones. Ouais, c'est aussi parce que ça a du sens, quoi. Idem pour la batterie, on parle toujours beaucoup de la batterie, etc. Sur un smartphone, en termes de masse, c'est bon, oui, c'est 10%. C'est 2 à 3% en termes de gaz à effet de serre. Ça veut dire que pouvoir changer sa batterie facilement sur un smartphone, ça a du sens. Et après, vous pouvez décliner ça pour les écrans. 11% pour les écrans. Les écrans, c'est le truc qui pète tout le temps, parce que les smartphones, on les laisse tomber tout le temps, enfin, des fois. Pouvoir les changer, c'est important.
Ça veut dire que les fabricants de téléphones, qu'ils aient des pommes au dos ou pas, quand ils font des smartphones avec des vis propriétaires, avec des batteries collées, avec des éléments collés, avec des trucs qui sont absolument pas réparables, avec des éléments qui sont chers quand il faut les réparer, avec pas de guide de réparation, c'est pas anodin. Quand vous regardez, si vous vous souvenez là, tout à l'heure sur la partie qui est liée à la fabrication, quand Apple ou un autre communique sur le fait qu'ils avaient des data centers green, c'est bien. Des téléphones réparables, c'est super important aussi. C'est important. Et les fabricants, du coup, les fabricants de téléphones ne sont pas ceux qui jouent le plus. Les émissions de CO2 en fonction des spécifications, donc ça c'est intéressant. Ça montre comment à chaque génération, donc ça vous donne le nombre de kilos de CO2, équivalent CO2 qu'il faut pour fabriquer un téléphone à chaque génération. Donc vous voyez. Ça prend pas une bonne pente. Sur l'iPhone 10, on est à 93, donc on est à peu près là. Je n'ai pas les chiffres sur l'iPad, mais enfin bon, je sais pas. Et puis, si vous achetez une Apple Watch, je vais pas l'acheter, je la garde. Mais en plus, donc je sais plus si c'est sorti avec l'iPhone 5 ou l'iPhone 6, mais vous rajoutez 38 kilos, donc c'est à peu près l'équivalent d'un iPhone 4. Donc quand vous arrivez à la génération 10, si vous prenez l'iPhone 10, vous êtes déjà vachement plus consommateur. Et en plus, vous rajoutez l'équivalent d'un iPhone 4S dans votre poche. En fait, il y a une augmentation qui ne va pas dans le bon sens, quoi. Celui-là est assez rigolo aussi. Il donne pour un téléphone, donc là vous avez le poids, c'est que des terminaux Apple, donc vous avez les téléphones et puis les ordinateurs, donc le poids augmente, normal, hein. Vous partez de l'iPhone 6, vous allez jusqu'à un iMac, donc c'est de plus en plus gros, et puis vous regardez là ce qu'on appelle l'intensité carbone, c'est-à-dire les gaz à effet de serre que vous émettez pour fabriquer un kilo de ce machin-là. C'est exactement inverse en fait. Plus c'est petit, plus vous émettez. Et à chaque fois que je fais cette presse, je le dis, mais un jour je vais le faire, il faudrait mettre la courbe de prix des terminaux Apple aussi. Et je pense qu'on aurait un truc qui fait comme ça aussi. Alors que plus c'est petit, plus c'est cher au poids. La production et la croissance du parc de smartphones, c'est pareil, c'est des taux qui sont considérables. Le parc, il augmente donc 11% tous les 11%, c'est vous faites x2 tous les 6 ans. On est à 4 milliards en 2017, 5 milliards en 2020. En 2017, on a vendu, d'après Gartner, 1,6 milliard de téléphones. Donc, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul, ça en fait 50 toutes les secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas des gobelets en plastique, hein, c'est comme des téléphones. Donc, c'est une certaine complexité de fabrication, donc c'est totalement hallucinant, quoi. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas grave, parce que les téléphones, de toute façon, les smartphones, là, c'est... Apple en vend moins, donc les autres vont en vendre moins et tout ça va se calmer, oui, mais il y a des relais de croissance, heureusement pour les constructeurs. Ça, c'est une étude de la GSMA qui prévoit x5 à x6 en 10 ans pour un foyer de 4 personnes dans un pays développé. Donc on est à 8 en 2012. Donc on parle d'équipement numérique connecté jusqu'à 50 en 2022. La première fois que j'y ai regardé, je me suis dit, ils chargent un peu la mule quand même. C'est, bon, ils sont bien, c'est des gens bien équipés, on va dire. Puis en fait, quand on le regarde, et puis qu'on regarde ce qu'on a chez soi, on est en dessous, mais bon, on n'est pas si loin que ça, quoi. Les taux de croissance des équipements numériques connectés, c'est du délire, 60% par an, sur 2014-2019. Ça, cette stat-là, je sais pas, je l'ai mise quand même, parce que je l'avais trouvé, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. Dire qu'on aura 20 à 25 milliards d'objets connectés à l'horizon 2030, c'est peut-être 25 milliards, mais c'est peut-être 10 ou c'est peut-être 100 millions. Enfin, 100 milliards, des prévisions pour 2030, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pas forcément... Alors, il ne faut pas se tromper, c'est pas forcément un problème de... Ou en tout cas, disons, c'est plus un problème de pays riches. Pas forcément parce que la population augmente et que les pays en développement s'équipent de plus en plus qu'on a cette espèce d'explosion. Parce que si on regarde, en fait, les gens les mieux équipés en 2016, on voulait trouver en Amérique du Nord et vous les trouvez en Europe de l'Ouest. Les gens les mieux équipés en 2021, c'est toujours les deux mêmes. Et ceux qui ont eu la plus grosse croissance entre les deux, c'est toujours les deux mêmes. C'est pas une explosion démographique dans les pays en développement qui font que ça va pas. C'est surtout qu'on a des pays riches
qui consomment de plus en plus. Et si on regarde ça, après, remis à l'échelle, où là, on a la population d'un certain nombre de pays, le nombre de terminaux moyens par habitant, une évaluation du trafic par habitant, et les gaz à effet de serre qui correspondent, effectivement, si vous regardez, la Chine fait plus que les États-Unis, c'est incontestable. N'empêche que, en termes d'habitants, ils sont quasiment en ordre de grandeur, plus de quatre fois plus nombreux. Et si c'est ramené à l'habitant, vous voyez que c'est plutôt un Américain, il fait trois fois plus qu'un Chinois. Et je crois que, si je ne me trompe pas, ça doit être 16 fois plus qu'un pays en développement, ou 5 fois plus que la moyenne mondiale. Donc c'est pas nécessairement lié à une explosion démographique, c'est lié à des habitudes de consommation. Pour ça, pour le numérique, j'essaie de le remettre dans un contexte plus global pour ne pas systématiquement taper sur le numérique, mais pour le numérique, comme pour le reste. Hein. On dit que les 10% des plus riches font, en général, ce qu'on dit, c'est 10% des plus riches font les 50% des émissions, en fait c'est 45%, et 50% des plus pauvres font 10% des émissions. Alors les ordres de grandeur, c'est effectivement ça. Hein, c'est les pays riches qui consomment. Donc si vous regardez les chiffres pour l'avion, c'est pareil. L'avion, on dit toujours que c'est que 2% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Bon, en fait, c'est plutôt 3, s'il faut arrondir. Et puis, la population qui est susceptible de prendre l'avion, c'est, on va dire, entre 15 et 20% de la population mondiale. Donc ça veut dire que c'est 3%, mais avec juste 20% de la population mondiale. Donc si vous estimez que tout le monde a le droit de prendre l'avion, pas de raison, c'est plutôt, vous faites 5 fois 3, vous êtes à 15%. Okay. Ça, c'était pour la partie vraiment terminaux. Sur la partie croissance des trafics de données, ben là, on voit que c'est vraiment la vidéo qui tire les usages. Hein. 80% de la bande passante de la vidéo en ligne, 80% de la bande passante, ça sera en 2021 pour la vidéo. Sur le réseau mobile Orange, on a eu des croissances à une époque qui était de 100%, donc on a doublé tous les ans. Alors, ça s'est calmé, c'est plus le cas aujourd'hui. Et mes collègues qui travaillent sur le réseau disent que oui, mais enfin bon, c'est vrai, mais le réseau mobile, c'est encore, c'est petit par rapport au réseau domestique. Donc, mais bon, ça montre bien l'explosion des usages. Faut savoir que Netflix aujourd'hui a une empreinte carbone qui est plus grande que le plus grand cimentier mondial. Donc la cimenterie au niveau gaz à effet de serre mondial, c'est 6%. Le plus grand cimentier, c'est Lafarge. Je ne sais pas combien il fait. Mais Netflix, aujourd'hui, une empreinte carbone supérieure. Ce n'est pas anodin. La consommation qui est électrique qui est liée à l'utilisation. Donc pareil, c'est pour donner un peu des ordres de grandeur. 10 minutes à visionner une vidéo haute définition sur un smartphone, c'est l'équivalent d'un four à pleine puissance pendant 5 minutes. Donc soit, en général, on a tendance à sous-estimer ça et peut-être à surestimer ça aussi, je ne sais pas. Mais bon. C'est pas zéro. En termes d'usage, bon là c'est pareil, c'est des ordres de grandeur. Hein. L'envoi d'un mail qui fait un méga, c'est un watt-heure. C'est une vidéo en ligne pendant 10 minutes, c'est 100 watt-heure. Donc ce qui veut dire qu'il faut que j'envoie des mails pendant 5 heures avec une pièce jointe de 1 méga toutes les 3 minutes pour consommer autant que regarder une vidéo en ligne de 10 minutes, pendant 10 minutes. Et après, quand on traduit ça en gaz à effet de serre, ben, ça dépend du pays où vous êtes. Donc nous, on a de l'électricité qui est peu carbonée. Si vous êtes en Chine, ils ont de l'électricité qui est très carbonée, c'est 80%. C'est très carboné, mais un peu moins aux USA. Et en moyenne européenne, c'est un peu moins. Donc c'est vraiment là les usages qui déterminent ce qu'on va y mettre. Et puis le dernier point, c'est les data centers. La croissance des capacités de stockage qui est aussi délirante, 31% par an. Donc quand vous construisez un data center qui fait, alors là, il donne pour 1000 m², ça consomme autant qu'une ville française de 10 000 habitants. Okay. Avec un PUE, c'est l'énergie que vous mettez au total divisé par l'énergie que vous mettez juste pour les équipements informatiques. Donc en fait, plus vous êtes près de 1, meilleur est votre data center. 2, c'est pas terrible, hein, je crois. Moi, je suis pas spécialiste, mais chez Google, ils doivent être à 1 et des brouettes. Donc on peut faire mieux que 2, mais voilà. Toujours pareil, c'est retenez les ordres de grandeur. Cisco estime que avec l'IoT, à partir de 2020, on sera totalement incapable de tout remonter sur le cloud. Bon, ce qui est probablement prévu, il y a sûrement des calculs qui sont faits en local et on remonte pas tout. Et en capacité globale,
On peut s'interroger sur puisqu'on est dans un monde fini, avec des ressources minérales, physiques finies, on peut s'interroger sur la capacité industrielle à produire ce qu'il faudra comme équipement de stockage. Voilà, ça date de 2015, donc on va être vite fixé maintenant, savoir s'ils sont trompés ou pas. Et dans tous les cas, même les études les plus optimistes font part de doute sur la capacité des gains d'efficacité énergétique à contrebalancer une explosion des usages comme celle-là. En fait, c'est pas propre au numérique, tout ça. Cette espèce d'explosion, là, on l'observe un peu partout depuis les années 50, à peu près. Je ne sais pas si les sociologues qui appellent ça la grande accélération. Donc, c'est ce qu'on voit sur toute la partie de gauche, ici, où on voit toutes les courbes qui augmentent de manière exponentielle. Et donc, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire, mais c'est la population urbaine, la consommation d'eau, la consommation de fertilisants, le tourisme, les véhicules motorisés. Tout ça explose. Et sur la droite, vous avez la réponse du système. Quand je dis le système, c'est la Terre, quoi, en gros. La réponse du système, c'est une explosion aussi du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote, donc c'est trois gaz à effet de serre. Explosion des inondations, et puis effondrement de la biodiversité. En 30 ans, en Allemagne, on a perdu les trois quarts des insectes. En 1950, en Europe, ça doit pas être en Allemagne, en 1950, vous avez une tonne de vers de terre sur un hectare de terre. Aujourd'hui, on a 100 kilos. C'est un effondrement. Enfin, ça s'appelle comme ça. Quand ça tombe aussi vite et de manière aussi brutale, ça s'appelle un effondrement. Et donc, ça dit quoi ? Ça dit que le numérique, comme toute autre ressource, doit être utilisé avec modération, avec raison, avec la sobriété. C'est une bonne façon de faire. Alors, après, on peut discuter longtemps de ce qui est sobre et ce qui n'est pas. Ça, on peut se mettre d'accord pour dire que c'est pas super sobre comme usage. Alors, on fait toujours la réponse de dire oui, mais avec les gains d'efficacité énergétique, on va pouvoir contrebalancer tout ça. Ben, en fait, non. Alors, c'est une partie de la réponse, bien sûr. On peut faire, au niveau des data centers, au niveau de plein de choses, on peut faire des gains d'efficacité énergétique. Mais ces gains d'efficacité énergétique, ils sont toujours contrebalancés par l'explosion des usages. Et ce truc-là s'appelle l'effet rebond. Donc, c'est pas que dans le numérique, mais systématiquement. L'efficacité unitaire des usages est toujours contrebalancée par la multiplication des usages. Alors, il y a plein de façons d'exprimer l'effet rebond. Une autre façon de le dire, c'est que dans un contexte de, parce qu'on parle de sobriété là, dans un contexte de maximisation de puissance, quand vous faites des gains d'efficacité, la réponse, c'est jamais la sobriété. Par exemple, c'est le cas sur les batteries de smartphone. J'ai regardé entre un iPhone entre un iPhone 5S et un iPhone 10, le smartphone a grossi, ok, mais c'est plus la capacité de la batterie a augmenté de 70%, et si c'est même un iPhone XS Max, c'est 100%. Pourtant, la durée de vie de la batterie, votre téléphone, vous ne le rechargez pas deux fois moins souvent. C'est mieux, on recharge moins souvent, mais pas deux fois moins souvent. Et tout ça parce que, en fait, tous les gains d'efficacité qui ont été pris, ils ont fait qu'on a des smartphones qui sont X fois plus puissants que ce qu'a servi à envoyer des hommes sur la Lune. C'est des vraies consoles de jeux. Alors, c'est super, mais ça fait plein de choses. Mais voilà. La sobriété, les gains d'efficacité énergétique, c'est une partie de la réponse, mais c'est pas toute la... ça ne peut pas être la seule réponse. Et donc, après, les gens du Shift Project, là, ils ont fait un certain nombre de calculs d'ordre de grandeur, plutôt à destination des entreprises, parce que les usages en entreprise sont moins diffus que dans le grand public, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a. Et donc, par exemple, allonger la durée de vie d'un portable pro de 3 à 5 ans, vous avez un gain, vous gagnez 37% en termes de gaz à effet de serre. Ce n'est pas un gros sacrifice, de passer de 3 ans à 5 ans. Allonger la durée de vie des smartphones pro, c'est pareil, de 2 ans et demi à 3 ans et demi, c'est pas un délirant, le gain n'est pas négligeable. Donc allonger la durée de vie des équipements compte tenu de l'impact de la fabrication, c'est évident. Privilégier les équipements réparables, c'est la même chose. Si on peut changer un écran facilement sur un téléphone et qu'il repart pour 2 ans, c'est plutôt bien. Ne pas multiplier les équipements pour un même usage, ça sert à rien d'avoir et un ordinateur et une tablette et un iPad mini, un iPad Pro, et pour faire au bout du compte la même chose.
développer les usages smartphone pro et perso en entreprise. Donc là, c'est pareil. Hein. En passant de 20 à 70%, l'impact n'est pas négligeable pour une entreprise qui cherche à réduire ça. En plus, ça fait des salariés qui sont contents, au passage, parce qu'ils ont un téléphone qui ne paye pas ou qui paye moins. Bon, c'est une bonne façon de faire. S'interroger sur nos usages. Bon, ben là, vous avez vu sur les impacts que peut avoir la vidéo en ligne. Donc, par exemple, on peut se demander sur l'intérêt de passer au 8K. Alors, dans les chiffres qu'il y avait, un téléviseur 4K, c'est en moyenne 15 kg, alors qu'un téléviseur 8K, c'est en moyenne 30 kg. Un téléviseur 4K, il consomme en moyenne, en ordre de grandeur plutôt qu'en ordre de grandeur, il consomme 170 kWh, alors qu'un 8K, c'est 400 kWh. Donc, il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis en 2015 qui disait que s'il fallait passer les 300 millions de télévisions américaines de la HD au 4K, ça équivaudrait à remettre en termes de consommation énergétique 300 Francisco en plus. Ce n'est pas anodin. Et le 8K, bon après, ben voilà, on peut passer au 8K. Alors, est-ce que les émissions de Hanouna seront plus intelligentes si on les regarde en 8K ? Je vous laisse répondre. Voilà quoi. Le stockage quasi illimité dans le cloud, ça c'est important. Alors j'avais vu, mais il n'est pas là ce soir, quand j'avais fait ma présentation au Bryce Camp, j'avais revu quelqu'un avec qui j'avais travaillé il y a presque 10 ans. Et donc, il a sorti son smartphone, il a regardé dans son Gmail, il a dit « Ah ouais, le dernier mail qu'on s'est échangé, c'était en 2009 ou 2008, un truc comme ça. » Et ça, mais c'est un coup de folie, en fait. Ça veut dire que quelque part dans le monde, il y a un serveur qui est toujours up, qui est avec une capacité de stockage et qui est capable de dire sur à peu près n'importe quel terminal dans le monde « Oui, oui, il y a eu un échange de mails il y a 10 ans entre ces deux-là. » Et ça, c'est un coût énergétique hyper important. Unitairement, c'est rien. Et si vous le multipliez par quelques centaines de millions ou milliards d'habitants, c'est un coût qui est juste délirant. Donc par exemple, dans les ordres de grandeur qu'il donnait pour une entreprise, le scénario, c'est 5 personnes qui travaillent sur le même document, qui fait un méga, bon, c'est pour l'ordre de grandeur, hein, peu importe que ça soit réaliste ou pas, et ils s'échangent 4 versions successives. Donc si les échanges via une plateforme partagée plutôt que par le mail, c'est vous baissez de 80% des effets de serre. Et ça c'est pareil, je veux dire, enfin, professionnellement, le nombre de mail qu'on a à 10 personnes avec un document qui est renvoyé 30 fois, enfin j'exagère, mais bon, je veux dire, c'est pas négligeable ça, c'est pas zéro quand professionnellement vous regardez ce que vous faites, tout ça c'est pas zéro quoi, c'est assez impactant. Et donc, et puis d'autres métriques aussi, par exemple, qui donnaient sur le fait de mettre à disposition des entreprises des métriques qui leur permettent de voir un peu bah, si j'achète un écran qui fait 2 pouces. Entre un 24 pouces et un 30 pouces, c'est quoi la différence? Et si je fais attention à mon bilan carbone à la fin de l'année, est-ce que je peux convaincre un développeur qu'il n'a pas absolument besoin d'un 30 pouces qu'avec un 28 ou qu'avec un 24, il va très bien s'en tirer en fait. Voilà. C'est pour avoir des ordres de grandeur. Alors vous avez trouvé que je fais une fixette sur les gaz à effet de serre. On n'aura pas totalement tort, sur ceux du numérique en particulier. Surtout que le numérique, ben, donc, c'est pas le seul, hein, on est d'accord, hein, c'est pas le seul qui émet des CO2. Alors, hein, ça, c'est l'empreinte carbone d'un Français moyen. Donc ça, c'est ce qui... Ça inclut ce qui est produit chez nous, plus ce qu'on importe. Ça s'appelle l'empreinte carbone. Et il y a un autre type de mesure qui s'appelle l'inventaire national, qui dit tout ce qu'on produit chez nous. Donc on compte pas les importations. Donc il faut faire attention dans tous les graphiques qu'on voit où on dit un Chinois ça pollue plus qu'un Américain. Ça dépend. Si vous regardez ça, ou si vous regardez ça. Ouais, si vous regardez ça, effectivement, comme la Chine c'est l'usine du monde, les émissions associées aux exportations elles sont énormes. Et si aux États-Unis vous produisez peu et que vous avez tout acheté en Chine, bah, cette partie-là diminue. Donc ça c'est un truc important. Les émissions de gaz à effet de serre principalement chez nous, ça va être bien sûr le transport. Le logement, donc c'est le chauffage des bâtiments résidentiels, l'alimentation. Jean Jouzel, il est venu en Bretagne en début d'année, là. Les gaz à effet de serre en Bretagne, c'est 40% lié à l'agriculture. 40%. Jean Jouzel, il a été président du GIEC pendant une bonne dizaine d'années, 13 ans, je crois. Voilà. Et il est breton. Et puis donc tout ce qu'on achète, biens et services. Donc voilà, l'empreinte carbone aujourd'hui d'un Français moyen, c'est 10,8 tonnes par personne. Et en fait, j'ai commencé à faire une fixette sur ces trucs-là, le jour où j'ai vu quelqu'un m'a expliqué, parce que je ne suis pas
où j'ai vu dans une conférence quelqu'un qui expliquait ce genre de graphique. Donc ce genre de graphique, c'est issu des rapports du GIEC. Le GIEC, je ne sais pas si vous savez, c'est une émanation de l'ONU. C'est un ensemble de scientifiques reconnus internationalement qui compulsent tout un tas toutes les publications qu'ils peuvent trouver, et puis qui font un rapport tous les X années. Le dernier rapport du GIEC, qui fait quelques milliers de pages, donc c'est quelques milliers de publications. Ce n'est pas la vérité absolue. C'est à un moment donné, le consensus scientifique, d'après ce qu'on sait, d'après les connaissances qu'on a, voilà ce qu'on sait. Donc ça change et ça évolue. Et donc celui-là, ça doit être le dernier rapport qui date de 2014, je ne sais plus. 2014. Et ça dit, donc c'est souvent, on entend parler de scénario RCP, donc c'est pour l'acronyme anglais. En gros, ça dit à quoi on peut s'attendre comme montée de température pour 2100 en fonction du CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, on est sur cette pente-là. C'est-à-dire qu'on entend toujours dire, ou on lit toujours dans la presse 2 degrés en 2100. OK, 2 degrés, c'est à la COP21, les pays se sont mis d'accord, ils ont dit, pour pas avoir trop d'ennuis, d'ici 2100, il faut qu'on reste sous 2 degrés. Enfin, les scientifiques leur ont dit que, dans l'idéal, il faudrait faire un 5, mais un 5, c'est trop tard. Donc, dans l'idéal, il faudrait rester sous 2 degrés. Et donc, les pays se sont mis d'accord. C'est ça qu'ils ont signé. Ils ont dit, ouais, on est d'accord. Il faut qu'on fasse des efforts pour rester sous 2 degrés. Et après, tous, ils ont donné une feuille de route. Ils ont dit, voilà ce qu'on va faire pour, effectivement, rester sous 2 degrés. Et donc, ça a été repris. Il y a des gens dans ce métier. Il y a des gens chez Météo France et puis dans un autre institut en France. Ils ont pris tout ça. Ils ont dit, bah ouais, mais avec ce que vous faites, là, c'est plutôt 3,5, quoi. C'est pas 2. Et en plus, quand vous regardez ça s'appelle les NCP, je crois, National Contribution Pass, enfin, en gros, ce que le pays va être d'accord pour faire pour arriver à limiter ses gaz à effet de serre, il y en a qui étaient un peu fantaisistes. Donc, et puis, dernier point, ils ne sont pas tenus, en plus. Donc, c'est 3,5 si on tenait des engagements qui sont quelquefois fantaisistes et qui, de toute façon, ne sont pas tenus. Donc, les 2 degrés, là, aujourd'hui, ce n'est pas gagné, ce n'est pas fait, et tout reste à faire. Alors, on peut regarder ce qu'il faudrait faire pour rester sous 2 degrés. Donc, toujours pareil, ça, c'est un truc du GIEC qui dit, si vous voulez pas dépasser 2 degrés d'ici 2100, ce qu'il faut, c'est pas plus de 3000 gigatonnes de CO2 d'ici 2100. Et en 2017, on en a déjà... Alors, on regarde là sur le graphique. C'est un graphique qui vous donne, en fonction de ce que vous donnez, de ce que vous mettez dans l'atmosphère comme CO2, la température que vous aurez. En approximation, c'est une ligne droite. Donc, en 2017, on a déjà mis un peu plus de 2000 tonnes, 2200, je crois. Donc, ça veut dire que 1,5, c'est plié, on les aura. Quoi que vous fassiez, sauf à pomper du carbone, mais ça, c'est pas gagné. Sauf à pomper du CO2, mais c'est pas gagné. Vous aurez 1,5. Et donc, vous aurez 1,5 quoi qu'il arrive. Et donc, si vous voulez rester à 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites l'inverse, hop, vous regardez, il ne faut pas faire plus de 3000 tonnes. Ce qui veut dire que sur un budget de 3000 tonnes, nous et nos parents, on a déjà consommé 2000. Et ce qui veut dire que nous et nos enfants, jusqu'en 2100, il nous reste 1000. Donc, deux fois moins. Pour une population qui est, bon an, mal an, 2 à 3 fois plus nombreuse. Donc, 6 fois moins, quoi. C'est toujours pareil, si vous donnez ça aux gens de Météo France ou aux gens compétents, ils vous disent, le budget carbone par personne à l'horizon de 2050, c'est 1,5 tonne. Quoi. Donc on était à 18 tout à l'heure. Hein. Okay. Alors, une autre façon de le voir, c'est ça, je vous ai mis, ces deux graphiques qui viennent du GIEC aussi, donc les dates ne sont pas tout à fait les mêmes et les regroupements des pays ne sont pas tout à fait les mêmes, mais sinon c'est deux graphiques qui disent la même chose. Là, vous avez la population. Okay, et là, vous avez l'empreinte carbone par habitant. Donc quand vous faites la surface... Ça vous donne les émissions d'un pays, mais ça a l'avantage de les mettre en perspective. On prend en compte la population du pays. Et puis voilà. Et donc, je vous ai mis 1,5 tonnes de CO2 par habitant. Je vous ai mis une ligne à chaque fois où c'est. Ce qui veut dire que tout ce qui est au-dessus, il faut le gommer. L'oublier. C'est fini. Donc, sans être spécialiste, on peut se dire que c'est pas juste en éteignant la lumière, en faisant du tri de déchets, qu'on va pouvoir faire ça. Si vous voulez arriver à ça, il faut que ça soit une préoccupation centrale dans votre société. Si ce n'est pas quelque chose qui impacte toutes les décisions que vous prenez et qui n'est pas un peu une espèce de guide,
bon, pas dire de guide, mais de but à atteindre, vous le faites pas, c'est tout, quoi. C'est pas possible. Alors, il y a eu un cabinet, il y a quelques temps, qui s'est amusé à faire une liste de choses qui seraient représentatives de ce qu'il faudrait faire pour rester. Ah, eux, ils avaient mis 1,5, mais bon, on va dire que pour deux, c'est pas très différent. Alors, je vous dis pas qu'un homme politique est capable de se faire élire avec ça, je vous dis pas que vous êtes prêt à le faire. Mais c'est représentatif de ce que ça veut dire prendre au sérieux un réchauffement climatique limité à 1,5 ou 2 degrés. Donc on arrête de vendre des véhicules neufs, tout de suite, là, maintenant. Okay. On divise par deux le nombre de véhicules en circulation dans un avenir proche. On multiplie par deux le nombre de trains, par 6 les kilomètres faits en vélo. Donc vous généralisez qu'au-voiturage, c'est les travails et qu'au-conduite. Les voitures thermiques dans Rennes, bah, c'est fini, dans tous les centres urbains. Les vols en Europe, pour les vacances, c'est plutôt Quimper que Rome. Okay. Suppression des vols intérieurs, c'est pareil, dès que vous avez un train, vous le prenez. Plus de publicité en ligne, on va se faire des copains. Limitation à 1 kg des vêtements neufs, je ne sais pas s'il y a les chaussures dedans, mais je ne vois pas comment c'est tenable. Je ne vois pas, je ne sais pas. Multiplier par 4 la durée de vie des appareils électroniques, ça c'est rien de monstrueux à mon avis. C'est juste une... c'est pas la mort. Toutes les nouvelles constructions sont en habitat collectif avec 30 mètres carrés maximum par personne. Ça, c'est dur. Sauf si vous êtes parisien, parce que 30 mètres carrés à Paris, c'est chouette. Mais sinon, que de l'habitat collectif et 30 mètres carrés, c'est pas... Donc l'interdiction du chauffage au fioul, c'est-à-dire que toutes les chaudières au fioul, vous le dézinguez, toutes celles qui sont en panne, vous les remplacez pas par des chaudières au gaz. 1 million de logements rénovés par an. Alors, c'est pas si vous voulez, hein. Si vous avez une passoire énergétique, c'est vous le faites. En fonction de vos revenus, en fonction de plein de choses, on peut vous accorder des prêts à taux zéro, on peut faire des crédits d'impôt, on peut faire plein de choses. Mais vous le faites, parce que si vous ne le faites pas, l'année prochaine, votre taxe d'habitation fera x2, puis l'année suivante x3, puis l'année suivante x4. C'est des incitations fortes. Okay, la consommation de viande, c'est très dépendant des gens. Il faut la diviser par 4, quoi, grosso modo. Bon, ça dépend de vos habitudes alimentaires aujourd'hui. Ça, c'est dur, zéro produit. Enfin, moi, je trouve que c'est dur. Zéro produit transformé et emballé. Zéro artificialisation de sol. Alors, il faudrait que je vérifie, mais Philippe Biwix, dans une présentation, il dit qu'en gros, on artificialise en France tous les 10 ans l'équivalent d'un département français. Donc, artificialiser, c'est des grandes surfaces, c'est des maisons qui se montent, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est fini. Des quotas sur tout ce qui est importation. Et puis, vous remettez des gens au boulot, plutôt dans l'agriculture, et plutôt dans de l'agriculture responsable. C'est pareil, ça dépend des gens. Qui veut arrêter de faire du Swift pour aller biner des patates? Ça se discute. À voir. C'est une économie de guerre, en fait. Si vous voulez faire ça, c'est vraiment une économie de guerre. Alors, effectivement, c'est un petit peu liberticide. On va dire le contraire. Si je vous dis qu'il ne faut plus prendre l'avion, si je vous dis que vous n'avez plus le droit de faire ce que vous voulez... C'est liberticide et en même temps, des règles qu'on pourrait considérer comme liberticides, il y en a déjà. Si vous voulez construire une maison aujourd'hui, vous ne construisez pas où vous voulez, vous demandez un permis de construire et vous ne construisez pas n'importe quoi. On ne fait pas ce qu'on veut, parce que c'est vraiment considéré comme liberticide. Et puis, si vous regardez des économistes, sérieux, en tout cas, ceux que moi, à titre personnel, je trouve sérieux, ils vous disent, mais l'écologie, c'est une vraie chance de créer de l'emploi. C'est l'écologie qui va nous permettre de créer de l'emploi dans les décennies à venir. Et sachant que depuis les années 70, de toute façon, on est dans une espèce de crise structurelle, c'est pas délirant d'avoir un projet de société comme ça. Sauf que une économie de guerre, ça s'est déjà vu, hein, en 1941, Pearl Harbor est bombardé, ça va marquer l'esprit des Américains, les États-Unis vont convertir toute une partie de leur économie, très vite, très rapidement, vraiment à marche forcée, pour faire la guerre au Japon. C'est très bien accepté par la population qui comprend qu'ils sont en guerre, que les Japonais veulent en découdre et qu'il va bien falloir se battre avec eux. Sans renier la démocratie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, même si tout n'est pas parfait, grosso modo, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis restent une démocratie. À l'époque, il y a un ennemi qui est facilement identifiable, c'est le Japon. La fin, on la voit, quand on aura gagné la guerre, ça sera fini, on pourra recommencer, on pourra reprendre notre vie comme avant. Là, aujourd'hui, si je vous dis, mais il faut faire une économie de guerre parce qu'on comprenait les ours polaires, ils sont en train de mourir. Moi, je ne vais pas forcément convaincre énormément de monde. Et que 3,5 degrés,
4 degrés, ben, il paraît qu'il y a un homme politique qui dit c'est pas grave, on enlèvera un pull, puis ça ira bien. C'est-à-dire, le niveau de connaissance du gars, ça vaut le coup de regarder ce qui se passe si effectivement on avait 3,5. Alors est-ce qu'on va plus juste pouvoir se baigner en Bretagne sans combi? Ça va être chouette, chouette. Moi j'habite, je viens de Lannion, du côté de Trégastel. Hein, encore 2 semaines avec une combi, c'est pas terrible. Quoi. Donc bon, je peux être frileux, mais bon. Donc ça vaut le coup de regarder à quoi on s'expose si on fait des variations de température comme ça importantes. Donc je vous ai mis là le monde et puis l'Europe lors de la dernière période de glaciation, il y a 20 000 ans, et puis là l'Europe telle que c'est aujourd'hui. Donc tel que c'est aujourd'hui, bah, vous le connaissez. Si on leur fiche la paix, c'est essentiellement des écosystèmes avec des arbres. Il y a suffisamment de pluie, suffisamment d'ensoleillement pour que là, une végétation s'y développe et qu'on nourrisse des gens si on déforeste. Ça, c'était il y a 20 000 ans. Vous voyez, il y a des gros glaciers là, sur le nord de l'Europe et le nord des États-Unis. Ils font 3 km d'épaisseur à peu près, les trucs. Il y a moins 120 mètres d'eau dans les océans, donc c'est-à-dire qu'on fait France-Angleterre à pied. Grosso modo, le climat ici, c'est ce que vous avez à peu près aujourd'hui au niveau de la Sibérie, c'est une espèce de toundra. Voilà. Il n'y a pas énormément de monde encore à l'époque. Je crois que l'équivalent d'un arrondissement parisien ou un truc comme ça. Et quand même, l'hiver, la banquise, elle vient lécher les côtes de l'Espagne. La banquise, en Espagne. Ça caille sévère. Hein. À votre avis, quelle est la différence de température entre ces deux mondes-là? Ce monde-là, il y a 20 000 ans, et ce monde-là, aujourd'hui. Ouais, 5, ouais, je faisais la blague, maintenant tout le monde connaît. Donc, c'est 5 degrés, quoi. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, sur l'ère pré-industrielle, la température moyenne sur la Terre, c'est 15 degrés, et c'est très stable dans le temps. Il y a des variations locales très importantes entre le pôle Nord et le Sahara, mais en moyenne mondiale, vous êtes sur 15 degrés. Là, vous êtes en moyenne sur 10 degrés. Le réchauffement, il va se produire sur 5000 ans, 5 degrés en 5000 ans. Donc 1 degré par millénaire, 0,1 degré tous les 100 ans. Là, aujourd'hui, on est sur des vitesses de réchauffement qui sont entre 50 et 100 fois plus rapides que ça. Ce qui veut dire que les écosystèmes sont totalement incapables de suivre ça. Donc après, je vous laisse imaginer. Qu'est-ce qu'on a si on part de ça, là où on est aujourd'hui, et qu'on fait plus 5 degrés? Parce que je vous ai dit 3,5, c'est ce que j'avais lu et entendu à l'époque où j'ai fait cette présentation pour le Bryce Camp. Et dernièrement, il y a un article qui sort et qui dit, là, pour la préparation du prochain rapport du GIEC qui sera en 2021, donc les scientifiques ont mis leur modèle à jour. Et en fait, ce n'est pas 3,5 qu'on va voir, c'est plutôt 5. Donc sur la trajectoire actuelle. Donc, alors je vais vendre la mèche, il n'y a pas la réponse sur le slide suivant, hein. je ne sais pas. Je crois que personne ne sait. C'est juste énorme. Alors par contre, on peut s'amuser à regarder localement les emmerdes qu'on va avoir, quoi. Enfin en tout cas les regarder les unes après les autres. Donc vous avez la fonte des calottes glaciaires, bon ça c'est le truc classique. La NASA a dit que quoi qu'il arrive, aujourd'hui le Groenland va fondre. Il faudra attendre la prochaine ère glaciaire qui doit être dans 20 000 ans pour qu'il se reforme. Donc ça, c'est 6 à 9 mètres dans les océans. Donc ça, il y a quelques centaines d'années, on a le temps de voir venir. Au-delà de 2 degrés, donc c'est pour ça que quand on dit... Enfin, chaque demi-degré de compte et rester sous 2 degrés, c'est important. Au-delà de 2 degrés, vous avez une partie de la calotte antarctique qui va tomber dans l'eau. Ça, c'est encore plus 6 mètres d'eau. Là, c'est pareil, c'est quelques centaines d'années. En tout cas, aujourd'hui, la tendance actuelle, et ça, c'est Jean Jouzel qui le dit en début d'année, la tendance actuelle, c'est 2 à 3 mètres à la fin du siècle. Et j'ai vu un article il y a quelques jours, là, il disait « Ah là là, ça a été revu à la hausse, ça sera plus de 2 mètres. » Ah bon, bah, enfin, visiblement pour le GIEC, ce n'était pas une nouveauté. Donc là, je vous ai mis c'est le delta du Mékong, avant 1850, avec 1 mètre, avec 2 mètres, avec 3 mètres. Donc ça, c'est quelques dizaines de millions de personnes, c'est une zone de riziculture très importante, quelques dizaines de millions de personnes qui nourrissent quelques centaines de millions de personnes. Donc à 3 mètres, c'est pas bon. Il n'y a pas qu'au pôle que ça fond, il y a les glaciers qui fondent aussi, donc glacier tibétain. Donc un glacier, c'est une réserve d'eau potable qui se reforme gratuitement tous les ans et qui alimente des fleuves. Donc il y a 3 petits fleuves qui sont alimentés, fleuves autour desquels vivent quelques centaines de millions de personnes. Et là, sur la tendance actuelle, l'été, à partir de 2040-2050, ces fleuves-là ne coulent plus. S'ils ne coulent plus, il n'y a plus d'irrigation, il n'y a plus d'agriculture, vous impactez quelques centaines de millions de personnes. Et vous avez la même chose dans la cordillère des Andes. C'est La Paz, qui est à 4 000 mètres d'altitude à peu près, au milieu d'un désert, à 2050, 1 million de personnes, ils n'ont plus d'eau. C'est tout.
Il y a des effets très bien documentés par Logography qui sont assez surprenants. Ça s'appelle l'effet Jurassic Park. Alors, des gens, des espèces qu'on croyait disparues depuis des décennies qui réapparaissent. Et dans les effets moins rigolos, il y a l'acidification des océans. Alors, les océans, ils absorbent à peu près 93% du surplus de chaleur. Et ça entraîne une acidification des océans. Alors, ça ne veut pas dire que quand on y mettra la main sera dissoute. Mais ça veut dire que quand même pour les écosystèmes, c'est assez problématique, notamment pour il y a tout un tas de petits mollusques planctoniques qui ne vont plus arriver à former leur coque calcaire. Les coraux aussi, entre 1,5 degré et 2 degrés, la différence, c'est à 1,5 degré, vous en perdez 80%, à 2 degrés, vous en perdez 100%. Et ces petits mollusques-là, ils sont en début de chaîne alimentaire, en tout début de chaîne alimentaire. Les coraux, ils abritent plein d'espèces qui sont en début de chaîne alimentaire. Donc si ceux-là disparaissent, ben, le reste disparaît avec. Donc visiblement, l'expérience a déjà été faite il y a 250 millions d'années. On a 96% des espèces qui ont disparu. Le poisson, c'est la première source de protéines animales pour 3 milliards de personnes dans le monde. Donc si, en 2050, il n'y a plus de poissons dans les océans, ça pose problème. Et ça pose problème pas que pour les poissons, parce que le réchauffement climatique, il a aussi une incidence sur les rendements agricoles. Par exemple, pour chaque degré supplémentaire, ben pour le, vous avez une baisse de rendement qui est de, voilà, bon, qui est de l'ordre de, entre -3 et -5% pour des céréales qui sont le maïs, le blé, le riz et puis le soja qui fait partie des légumineuses. Donc ça, c'est les deux tiers des calories de l'humanité. Donc vous faites, pour chaque degré supplémentaire, vous faites ça en pourcent en moins. Et puis alors, en plus, le deuxième effet qui se coule, c'est que pour chaque degré supplémentaire, vous augmentez les insectes nuisibles. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux et en plus, ils sont plus voraces. Et donc, du coup, vous arrivez à des pertes de rendement qui varient entre 10 et moins 10 et 25%. Donc, je vous laisse faire des calculs x2, x3, x4 sur des choses comme ça. C'est juste catastrophique. Ouais, parce que c'est l'effet de la biodiversité en train de s'effondrer. Je vous ai dit 75% des insectes ont disparu en 30 ans. Sauf que les insectes nuisibles, même si globalement ça s'effondre, la part des insectes nuisibles dedans, elle augmente. Donc c'est très sympathique. Sur le continent africain, par exemple, c'est le dernier continent qui a pas fait, c'est le dernier continent qui va faire sa transition démographique, notamment dans l'Afrique subsaharienne. Il y a 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui, et on prévoit d'ici 2050 plus 1 à plus 1,5 milliard d'habitants. Donc jamais sur Terre il y a eu une poussée démographique aussi importante sur un délai si court. Donc avec des choses comme ça, on calcule que les Africains pourront subvenir à 13% de leurs besoins. Tout ça mis bout à bout, ça pose pas mal de soucis. Ça fait des chiffres de réfugiés climatiques qui sont assez délirants. 200 à 250 millions pour les plus optimistes, 1 milliard pour les plus pessimistes, et j'ai même vu 1,5 milliard. Donc c'est pointé comme un risque important à l'échelle mondiale. Et Aurélien Barraud disait sur une conférence qu'il donnait que voulez-vous qu'il se passe ? Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. En fait, le réchauffement climatique, c'est pas un pull en moins, c'est un phénomène qui potentiellement peut faire exploser tout ce que vous croyez acquis : la sécurité alimentaire, la démocratie. Et pas pour dans 500 ans, pas pour vos... Non, pour 2050. Donc c'est-à-dire que vous avez tous normalement, pour la plupart, au moins 20 ans d'espérance de vie en bonne santé encore. Bah, vous serez confrontés au problème. Et puis alors, vos enfants, ils vont déguster. Et donc le GIEC reçoit en 2007 le prix Nobel de la paix. Alors il y a des prix Nobel qui sont discutables. Celui-là, pas tellement. C'est vraiment avec ça qu'on joue. Dans un environnement, alors je vous ai donné quelques effets du réchauffement climatique, mais dans un environnement qui devient de moins en moins sympa. J'ai oublié de vous dire, mais pour l'agriculture, par exemple, le réchauffement climatique, c'est un facteur aggravant, mais il y en a d'autres. Par exemple, l'AIE, qui est l'Agence internationale de l'énergie, a écrit dans son rapport fin d'année dernière que le pic du pétrole, enfin ils l'ont pas dit comme ça, ils ont dit qu'à partir de 2025 il fallait s'attendre à un resserrement sur le pétrole au niveau mondial. C'est quelque chose qui était connu par des spécialistes mais qui n'était pas reconnu par l'AIE. Donc pic du pétrole, ça veut dire à un moment donné, là pour l'instant on est sur une pente comme ça, tous les ans on prend un peu plus,
on produit un peu plus de pétrole, on en consomme plus, et le pic, c'est ah, c'est pas que vous en avez plus, mais c'est que vous n'arrivez plus à augmenter. Et donc, ça commence à baisser. Donc, ils appellent ça une contraction. Le pic du pétrole conventionnel, c'est grosso modo 2006-2008. À cause des gaz de schiste et de tout, tout ce qui est fracturation de la roche mère, on a réussi à continuer à augmenter notre production de pétrole, mais uniquement à cause de ça, sinon le pic du pétrole aurait déjà atteint en 2008. Et là, l'AIE, qui est donc une émanation de, pas de l'ONU, mais de l'OCDE, qui sont des gens considérés comme prudents, pas des gens, ils disent, dans leur résumé aux décideurs, à partir de 2025, il faudra faire attention. Alors pourquoi je vous parle de ça par rapport à l'agriculture ? Parce que tout ce qui est engrais azotés, c'est très consommateur de, de gaz naturel. Le pic du phosphate, c'est 2040. Donc vous avez le réchauffement climatique qui déjà vous descend vos rendements, et en plus vous avez plus de quoi les augmenter ces rendements. La chute de l'effondrement de la biodiversité, c'est pareil, quoi. Les insectes, les pollinisateurs, c'est pas juste pour vous enquiquiner sur vos pare-brises quand vous descendez dans le sud de l'été. Ça a un vrai rôle important. On peut pas espérer que ça s'effondre à ce rythme-là et avec ce rythme-là et que tout va continuer comme avant. Donc là, par exemple, si vous lisez la presse, vous savez que le moustique tigre, il est installé à Paris. Alors, il porte pas la dengue, la fièvre jaune, c'est pas lui qui l'a. Par contre, il sait bien la propager entre deux personnes qui l'a. Donc, ça peut provoquer des épidémies. Les vagues de chaleur. Alors, si vous mettez les deux étés, si vous mettez 2003 au XXe siècle, les deux étés les plus chauds qu'il y a eu, c'était 1976 et 2003. Ces deux étés-là sont en moyenne 3 degrés plus chauds qu'un été moyen au XXe siècle. D'accord ? Donc, si vous vous rappelez, 2003. Ça devient l'été normal à partir de 2050. Sur la tendance actuelle, c'est l'été normal en 2050. Ça veut dire que, de temps en temps, il y a des étés plus chauds, des étés caniculaires tous les 10 ans. Et eux, ils seraient en moyenne 6 à 8 degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle. Donc, ce qui veut dire qu'on bat des records de chaleur en France, on pourrait avoisiner les 50 degrés. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça c'était donné par Gaël Giraud, 2 degrés de plus sur le climat, vous prenez, c'est le climat de Bilbao à Paris et le climat de Séville et Bordeaux. Je voulais évaluer ce que ça donne. À l'horizon 2040-2050, hein, c'est pas... Enfin, je sais pas pour vous, mais moi c'est demain. Vous avez des risques, ça c'était donné par Jean Jouzel quand il est passé à Rennes. Les risques de feux de forêt à l'horizon, donc c'est toujours pareil sur la tendance actuelle, sur l'horizon 2040-2070, vous voyez, les feux de forêt en Bretagne, on connaît pas trop. Voilà, on arrive à un niveau de risque de l'Espagne et du sud de la France, quoi. Il faudra vivre avec cet environnement-là. Donc, quand vous mettez tout bout à bout, moins de pétrole, le pétrole est important pour l'agriculture, mais il est aussi important pour l'économie. Un problème d'approvisionnement de pétrole sur une société comme la nôtre qui n'est pas préparée, Ça peut mal se passer aussi. Ça, c'est les atteintes aux écosystèmes. Bon, là, on retrouve les scénarios IRCP que je vous donnais tout à l'heure. Et puis à chaque fois, c'est la vitesse d'évolution des écosystèmes en fonction des scénarios. Et puis la vitesse à laquelle les plantes et les animaux peuvent se dépasser. Donc plus vous êtes haut, plus vous en désinguez. Tout ce qui est en dessous de la ligne part, quoi. Donc par exemple, les arbres, c'est fini, quoi. Enfin, en tout cas, il y en a plein qui vont disparaître parce qu'ils n'arriveront pas à remonter au nord suffisamment vite par rapport à la vitesse à laquelle le climat chauffe. Intensification des phénomènes extrêmes. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous avez un Européen sur 20 tous les ans qui est confronté à un phénomène climatique extrême, en général vague de chaleur. À l'horizon 2040-2050, c'est 2 sur 3. Ça sera en général des vagues de chaleur. Problème d'eau, les problèmes d'accès à l'eau. Pour le Maghreb, à l'horizon 2050, c'est juste une catastrophe. Et même pour nous, pour le sud de la France, ça va être problématique. Il faudrait que je trouve une référence, mais j'avais entendu Gaël Giraud dire que le Sahara est en train de passer la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il commence à arriver dans le sud de l'Espagne. Ça veut dire que dans le sud de l'Espagne, il y a des sources, des cours d'eau qui ne coulent plus du tout. Et c'est le désert qui va s'installer. Et puis dans tout ça, y a une part d'imprévisible et d'irréversible qui est problématique. C'est parce que on fait une expérience grandeur nature qu'on n'a jamais faite. Et il y a des choses qu'on ne verra pas venir. Agréable ou désagréable. Et quand c'est désagréable, il faudra faire avec. Parce que le climat, ce n'est pas un truc où un changement de doigt, on revient en arrière.
Tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas lu dans les mémoires de Nostradamus. C'est le GIEC, c'est des scientifiques, c'est le consensus scientifique, c'est ce qu'il dit à l'heure actuelle. D'accord ? Donc on peut ne pas les croire, on peut dire hein, tout ça c'est foutaise, c'est pas vrai. C'est ce qui est probable. Et à la lumière de tout ce que je viens de vous dire, normalement, si vous reprenez toutes les mesures dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui sont une atteinte intolérable à notre liberté, bah, si vous mettez dans la balance ces mesures-là et un monde en guerre, un monde de pénurie et un monde en guerre en 2040, ça se discute. C'est quelque chose qui est connu depuis les années 90, hein, les scientifiques... du GIEC. Donc on en parle beaucoup ces derniers mois, hein. On en parle pas mal depuis 2015 et on en parle déjà depuis longtemps et on n'arrive pas à croire Donc c'est Jean-Pierre Dupuis, c'est un philosophe qui est aussi un scientifique, qui dit une bonne partie d'entre nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons. On n'arrive pas à croire qu'on a la guerre, on veut pas le croire, on ne peut pas le croire, on ne croit pas qu'on aura un monde en guerre, et donc on n'arrêtera pas de prendre l'avion pour sauver les ours. Alors pour revenir un peu sur le numérique, je vais reboucler avec le rapport Meadows. Donc dans les années 70, il y a un think tank qui s'appelle le Club de Rome, parce que c'est la première fois qu'ils se sont réunis, c'était à Rome. Donc on est à la fin des années 70, on est à la fin des 30 Glorieuses, et ils s'interrogent sur un peu comment le monde évolue, toujours plus de consommation, qu'est-ce que ça va faire dans les décennies à venir et dans le siècle qui vient. Et ils vont rencontrer quelqu'un qui s'appelle Forrester. Forrester, donc là, à l'époque, il est jeune, c'est plutôt dans les années 50. C'est un spécialiste de la dynamique des systèmes. Donc, dynamique des systèmes, c'est on modélise des choses avec plein de boucles de rétroaction et d'interaction entre les éléments. Il est professeur à MIT et donc il travaille sur les premiers ordinateurs ou en tout cas les successeurs de l'ENIAC. Et donc, il va mettre à la disposition du Club de Rome une équipe de gens, donc Denis Meadows, qui est un élève de Forrester, donc qui est aussi un spécialiste de la dynamique des systèmes. Denis Meadows va monter une équipe donc de gens, il y a des Américains, des Européens, il y a sa femme qui aura un rôle important dans la rédaction du rapport. Et Denis Meadows, il va faire un modèle qui s'appelle le modèle World 3, où il a en entrée un certain nombre de choses. Il a une population qui mange, qui produit des services, qui consomme un stock de ressources finies, donc par exemple le pétrole et les surfaces agraires, qui fait tout ça, et puis qu'un exutoire qui est la pollution, qui le résultat de tout ça, là, c'est on fait de la pollution. Donc Meadows, il modélise tout ça comme il sait le faire, il met tout ça dans un ordinateur, et puis donc on est en 1970, et il regarde si son modèle correspond à ce qui s'est passé depuis le début du siècle. Jusque-là, ça correspond. Et donc, il fait tourner un petit peu le truc pour voir ce qui se passe ensuite. Et là, quel que soit le scénario qu'il envisage, il va envisager 12 scénarios possibles, 12 scénarios où il va être optimiste sur les ressources, il va me faire x2 sur les ressources, où il va dire à la population on va mettre des méthodes pour la limiter, on va mettre des méthodes gentilles pour la limiter, ou des méthodes un peu plus sévères pour la limiter, où on va être très exigeant sur la pollution, on va vraiment... Et dans tous ces scénarios-là, ils vont en faire 12, systématiquement, ça se conduit toujours de la même façon, on va à un effondrement, les ressources finissent par s'épuiser, soit parce qu'on les a toutes consommées, soit parce que la pollution les a rendues impropres à être utilisées. Et on a un effondrement de la production de services, un effondrement de la population. Et Meadows, donc, sur ces 12 scénarios, je vous ai dit, ils vont tous au crash, sauf deux. Deux où on va mettre toutes les solutions ensemble. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'on a plus de ressources que prévu, qu'on est très économe sur la nourriture, qu'on sait réguler notre population, qu'on fait très peu de pollution. Deux scénarios qui arrivent à un équilibre. J'ai fait une bêtise, pardon. Qui arrive à un équilibre pendant un certain temps. Et notamment un scénario qui fonctionne si on commence en 1975. Et si vous prenez le même scénario et que vous le mettez en 2000, trop tard. Ça crache. Et donc en 1972, quand il présente son rapport, Meadows, il dit ça, il dit « Au vu des tendances actuelles, les limites physiques de la croissance seront atteintes au cours de la vie de nos enfants. Si on ignore ces limites, on atteindra un point de non-retour qui fera que tout s'effondrera. Il existe des alternatives viables si on limite croissance et production de marchandises,
si on est sobre, ou en tout cas si on arrive à un équilibre avec ce qui est à notre disposition. Cet équilibre, on peut l'atteindre dans les 50 ou 100 ans qui viennent, et que chaque année perdue pour la mise en œuvre est dramatique. Chaque fois qu'on perd un an, ça sera plus difficile à faire. Donc c'est comme un rapport qui n'est pas, c'est pas un truc qui a été diffusé à 3 personnes. Hein. Ça a été distribué à 10 millions d'exemplaires, traduit en 30 langues. Ça va faire beaucoup, l'objet de beaucoup de débats. Il y a plein de gens qui vont dire « mais tout ça, c'est pas de la science, c'est n'importe quoi ». On est dans la fin des années 70, et c'est la fin des 30 glorieuses, et on considère que voilà, la croissance, c'est nos limites. Ça sera même, donc ça sera mis au pilori par tous les néolibéraux ensuite, Reagan, Thatcher, etc. Reagan dira dans un discours, alors c'est pas mot pour mot, mais l'idée c'est, on nous a dit il y a quelques années qu'il y avait des limites à la croissance, il n'y a pas de limite à la croissance, l'intelligence humaine est sans limite, donc la croissance est sans limite. Bon, Reagan, voilà quoi. Et donc en 2012, il y a quelqu'un qui s'appelle Graham Turner qui dit bah, on va reprendre le modèle 2012 et puis on va voir hein, depuis 1970 ce que ça a fait. Et donc, les courbes qu'on a ici entre 1970 et 2012, c'est ce qu'il a calculé, en vrai. En pointillé, c'était les projections de Meadows de 1970. Et ça, c'était vrai. Donc, ça colle pas mal. Alors, après, Denis Meadows, c'est pas Madame Soleil, quoi. Son modèle, il est, on va dire qu'il est juste, mais imprécis. Parce que dans le modèle de Meadows, il manque plein de choses, en fait. Par exemple, Meadows, en 1970, le réchauffement climatique, c'est pas un paramètre qu'il a. Donc là-dessus, le réchauffement climatique, ben, il est pas pris en compte, le réchauffement climatique. Meadows, il sait pas que les Américains, ils vont élire un mec qui s'appelle Trump et qui est... Qu'est-ce qu'il est ? Et Meadows, il ne sait pas quand est-ce que les Américains ils vont en élire encore un pire que Trump. On ne sait pas. Par contre, Meadows, il a une conclusion fondamentale qui reste vraie, c'est que si l'humanité garde comme objectif de croître en consommant plus, quoi que vous fassiez, quel que soit votre optimisme, sur tous ces paramètres-là, de toute façon, votre système, il va au crash. Et en fait... Les effondrements de population comme celui-là, il y a trois façons de faire. La guerre, la famine, la maladie. Et c'est vraiment avec ça qu'on joue, avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un monde de pénurie et c'est un monde en guerre. Famine, guerre, maladie. La date, Meadows, il ne sait pas dire quand. Il ne sait pas dire si c'est en 2030, etc. Donc Gaël Giraud, il a des explications avec des scénarios plus ou moins pessimistes selon que, alors dans les ingénieurs qui travaillent sur le pétrole, il y en a qui vous disent, pour les optimistes, ben le pic du pétrole, ça sera 2040, les pessimistes vous disent, ça sera 2025. Ces gens-là, voilà. Et donc en fonction de ça, on pourrait avoir un effondrement plus ou moins tôt, quoi. Donc à quelle date, on ne sait pas. Mais en tout cas, dans le siècle qui vient, c'est sûr. Dans le nôtre, quoi. Je termine avec une citation de Pablo Servigne, que je trouve un peu optimiste, mais j'aime bien Pablo Servigne. Utopie a changé de camp, et utopie celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Et je vous remercie. Pardon ? C'est la communication d'Apple, ou enfin, je dis Apple, je ne veux pas être spécialement méchant avec Apple ou avec Google, c'est-à-dire que le data center typique qu'on vous montre, c'est un truc qui est super propre en Californie, qui est alimenté par des panneaux solaires, et il y a un gars en Segway, enfin, le Segway ça date un peu maintenant, mais c'est un gars en Segway qui gère tout l'intérieur. C'est green, c'est propre. C'est chouette, quoi, c'est green. Bon, j'ai une question, c'est pas forcément pour toi, mais c'est pour toute personne qui pourrait avoir l'information. Est-ce que vous savez si l'Internet, donc l'ensemble des ordinateurs et routeurs qui composent le réseau, peuvent fonctionner de façon intermittente, c'est-à-dire comme au temps de la radio où ça commençait à diffuser à partir de 8h du mat jusqu'à 21h. Est-ce que notre infrastructure numérique permet aujourd'hui de fonctionner comme ça ? Est-ce que les standards permettent de le faire ? Si vous n'êtes pas dans le réseau,
vous saurez pas. Bah, enfin, en tout cas, c'est une vraie question parce que j'avais entendu quelqu'un, c'est quelqu'un qui travaille sur Rennes, quelqu'un du CNRS sur Rennes, qui disait que en fait, un ordinateur qui fait rien, il consomme 50% d'énergie d'un ordinateur qui est à pleine charge. Et que donc, si on était capable justement d'anticiper des choses comme ça, de faire que, si on est capable d'éteindre des serveurs quand ils ne servent pas, il y aurait des vrais gains d'énergie à faire. Alors, je ne doute pas qu'il... Alors, ce qu'on sait le faire, je ne sais pas, sur les équipements réseau, je ne saurais pas te dire si on sait les éteindre et les rallumer quand il faut. En tout cas, même sans vouloir faire d'écologie, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent pour des questions de sous, parce que si tu sais faire ça, ben, tu consommes moins, c'est moins cher. Tu mets moins de panneaux solaires sur tes data centers et puis ben, tu achètes moins d'énergie à un revendeur. Donc il y a des gains, quelquefois c'est des gains économiques qui se traduisent en gains écologiques. Après, faudrait demander des spécialistes de data center ou de réseau si on sait faire ça ou pas. Aujourd'hui, on est plutôt, enfin moi quand je lis des papiers qui passent sur la 5G, on nous dit plutôt que ouais, c'est génial parce que ça va être, ils vont consommer 3 à 4 fois moins que la 4G, donc tout va bien. Mais il n'est pas question de les éteindre de temps en temps. Et on sait que à cause de l'effet rebond, ça ne sera pas vérifié. Par contre, je sais que certains équipements sont capables d'éteindre certains composants pour moins consommer. On trouve de plus en plus de switches domestiques où ils éteignent les ports qui ne sont pas connectés. Je sais que ça fait partie normalement des contraintes quand on parle d'éco-conception sur les box internet, d'avoir des box qui seraient capables de s'éteindre et de se rallumer, de se remettre up quand on les demande. Les box, c'est toujours la même chercheuse de Rennes, disait que les box internet au niveau de la France, c'est 1% de la consommation électrique française. Alors moi, c'est une remarque plus générale. C'est sur la partie politique, à un moment, tu as détaillé ce qu'il faudrait faire pour réduire, passer à moins de 1,5 tonnes par an. Bon, déjà, comme tu as précisé, ça paraît invendable politiquement, ça. Et en plus, souvent, on essaye de mettre en avant le côté positif. Par exemple, tu as dit que ça va créer 1 million d'emplois. Le problème, c'est qu'on a oublié tout le côté négatif. C'est-à-dire, par exemple, si on arrête de vendre des véhicules neufs, ça détruit plein d'emplois. Si on réduit la construction, ça détruit plein d'emplois, etc. Ça. Au final, le bilan, il est probablement négatif. Et c'est ce qui est recherché, en fait. Ça se discute parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire de l'agroécologie, enfin, si tu veux arrêter de faire de l'agriculture telle qu'elle est faite aujourd'hui, avec des tracteurs, avec des pesticides, il faut que tu remettes des bras dans les champs. Enfin, après, je ne connais pas beaucoup, mais tout ce qui est permaculture, on dit que la permaculture, c'est intensif en connaissances et que c'est intensif en bras. Et que c'est Pablo Servigne dit, si tu veux augmenter tes rendements en permaculture, il faut diminuer la surface. C'est paradoxal. Pour augmenter les rendements, il faut diminuer la surface. Tu travailles sur des petites surfaces, bon, je ne connais pas bien, c'est des plantes que tu vas faire des mélanges de plantes, tu ne fais plus de la monoculture. Et donc, quand tu arrives à ça, en fait, la machine ne sait pas faire. Il faut des gens pour ça. Pour moi, la vraie question, c'est de savoir si, quand tu es ouvrier chez Renault et que tu fabriques des voitures, est-ce que tu as 45, 50 ans et qu'on te dit, bah, maintenant, ton boulot, c'est plus ouvrier chez Renault, c'est d'aller dans les champs pour faire ça. Parce que donc, si tu arrêtes, enfin si tu diminues les tracteurs, les pesticides, etc., tu vas remettre du monde. Il faut remettre des bras concrètement. Est-ce que les gens sont prêts à faire ça ou pas? C'est une vraie question, ça. Est-ce que, alors, je sais pas ce que tu fais. Moi, je code Swift. Est-ce que je code du Swift à longueur de journée? C'est plus facile que jardinage. Hein. Quand tu as fait un week-end de jardinage, tu es content de retourner coder parce que c'est plus sympa. Enfin, en tout cas, c'est plus facile pour moi, en tout cas. Donc, est-ce qu'on est prêt à lâcher ce qu'on fait pour faire autre chose? Ça, c'est une vraie question. Ouais. Et puis, ça veut dire aussi, est-ce que ça a d'autres problèmes, c'est que ce genre de truc, ça va coûter cher. Si tu mets plus de gens dans les champs pour faire ça, enfin, le bio est plus cher. Et donc, est-ce que tu auras des gens qui sont prêts à acheter? Il faut que les gens soient prêts à l'acheter, il faut qu'ils aient les moyens de l'acheter, surtout. C'est compliqué. J'avais une question par rapport à ce que tu disais pour rebondir sur la permaculture. Aux échelles de temps que tu montres, ça change très vite. Et tout ce qui est permaculture, ça met du temps à se mettre en place. Il faut plusieurs années, le temps que les sols s'habituent. Si ça change très vite, si il y a des modifications d'insectes,
Alors ça, comment on peut, quelle stratégie peut être mise en place face à une adaptation? Je ne suis pas assez compétent en permaculture pour ça. T'as Pablo Servigne, c'est un collapsologue, donc il fait, si vous avez vraiment une heure, pas à perdre pour le coup, vous regarderez sur YouTube. Alors, vous avez le droit de regarder sur YouTube, mais c'est juste en définition plus faible. Il y a Pablo Servigne, il fait une présentation qui s'appelle « Un monde sans pétrole ». Et c'est, ça dure une heure, c'est génial. Et ça vous aura tellement plu que vous regarderez l'heure de questions qu'il y a derrière, vous verrez. Et donc lui il dit qu'il faut donc c'est déjà le réchauffement climatique en fait c'est qu'une partie du problème hein. Des emmerdes on en a en perspective un bon paquet donc on peut déjà considérer qu'il est pessimiste quoi. Et il y a des gens par exemple tu regarderas il y a une association qui s'appelle Adrastia je crois que c'est Vincent Migaud le fondateur, il y a des présentations qui sont encore plus noires et plus sombres et qui fait notamment ce genre de remarque, qui dit, la permaculture, c'est bien gentil, mais sur des évolutions d'écosystèmes à cette vitesse-là, si tu fais de la permaculture, par exemple, avec un ensemble de gens qui, autour de toi, utilisent des pesticides et font des choses comme ça, si 10 ans plus tard, ces gens-là, ils arrêtent de faire ce qu'ils font, et qu'ils changent, tout ton environnement change, et donc tout ce que tu as fait n'est plus forcément valable. Honnêtement, j'ai pas de réponse. Désolé. Mais c'est une remarque que j'ai déjà entendue, oui. Moi, j'ai une remarque, et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. C'est, on a parlé d'emploi déjà, on a parlé des mesures politiques qui pourraient être mises en place. Et en fait, moi, je me dis qu'à chaque fois que je vois des choses comme ça qui parlent un peu de notre système social, donc au-delà du climat et des sciences qui vont autour, tu as bien montré que tout ça, ça allait s'effondrer, qu'il y aurait potentiellement de la guerre, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'imaginer en fait à quoi pourrait ressembler notre façon de fonctionner en société en fait dans ces circonstances-là. Et pour reprendre l'exemple des emplois, on essaie de se dire est-ce qu'il y aura plus ou moins d'emplois dans ce scénario-là. Mais moi personnellement, mon objectif dans la vie, ce serait plutôt de travailler moins que de travailler plus. Donc la perte des emplois aujourd'hui, on l'imagine pas parce que notre système social fait que c'est une catastrophe de perdre son emploi. Mais en fait, dans un monde où on oublie tout ce qu'on sait, ce serait plutôt positif. Et voilà, c'est une façon, un exemple en fait, de dire que de toute façon, de se demander les impacts sociaux de ça, c'est, j'arrive même pas à voir le sens que ça peut avoir en fait. Si, ça dépend si c'est pour moi si c'est choisi ou subi quoi. C'est-à-dire que si on était capable aujourd'hui d'anticiper tout ça et de vraiment mettre en marche quelque chose pour qu'il y ait un vrai changement de société. Travailler moins, moi aussi, moi ça me va, travailler moins. Bon, après, je pense que toi et moi, on a un salaire qui permet de se dire. Exactement, si t'es smicard, je pense pas que t'as cette. Moi aujourd'hui, je pourrais décider de travailler moins dès aujourd'hui, en fait, et je sais bien que c'est une énorme chance. Si c'est choisi, si c'est subi, et ça risque d'être subi, parce que je pense pas qu'on. Des exemples d'effondrement, il y en a en Amérique du Sud, hein. Les pays, les cohortes de gens qui remontent vers les États-Unis, quand tu lis un peu les articles, ils te disent, les témoignages, ils disent, je fuis la violence parce que mon pays c'est violence, etc. Et puis je fuis la faim, parce qu'on n'a plus à bouffer, je fuis les inondations, qu'on détruit ma maison. Les effondrements pour eux, qui ne sont pas que liés au réchauffement climatique, mais pour lesquels le réchauffement climatique est un facteur extrêmement aggravant, ça existe. Et il n'est pas impossible que, sur les chiffres que je te donnais des ONG sur les réfugiés climatiques, il n'est pas impossible que nous aussi, on élise quelqu'un qui nous dira « on va faire un mur là, regardez tout le monde dehors ». C'est pas, on n'en est pas loin. Hein. Et aujourd'hui, en gros, moi je crois pas qu'il y aura un changement de société choisi, on le subira. Je pense qu'il va falloir qu'on se prenne une bonne claque. Je sais pas sous quelle forme, je sais pas quand. Mais ça en prend pas le sens, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, essayez autour de vous, dites, on va arrêter de prendre l'avion. Même pas possible, quoi. Même je disais l'autre jour à mes enfants, mais on va pas prendre l'avion. On va quand même le prendre un petit peu, pas trop.
Je dis, bah ouais, moi, ça sera bien, mais c'est possible, ce serait possible, en fait, si en plus, on était capable de se réguler, de dire qu'on va prendre un petit peu l'avion. Dans les mesures, qui, alors je ne sais plus, parce que j'en ai élagué un peu, mais dans les faits de dire qu'on ne prend plus l'avion, il détaillait un peu les trucs en disant, bah, pour les jeunes entre 20 et 30 ans, ils auront le droit à 2 vols internationaux. C'est-à-dire que ce n'est pas une génération ancienne qui a déjà... Parce que moi, je pourrais dire, j'ai déjà voyagé, j'ai déjà fait des choses, donc c'est facile pour moi de dire, attendez les gars, c'est fini, on ne voyage plus. Donc dire, vous aurez droit à 2 voyages, c'est donner des perspectives aussi. Moi, j'ai une question. C'est pas par rapport... c'est pas directement lié... Ça se rejoindre. La Chine a mis en place un système assez vénère de surveillance de sa population avec un système de points social où quand tu fais une infraction, ton quota diminue. C'est pas connu pour être une démocratie. Est-ce que s'ils se mettent à utiliser l'IA tout un système de surveillance pour accorder en plus d'un point social un point écologique, ce qui fait que si tu te comportes mal, ton quota baisse, et du coup tu peux plus prendre, enfin t'as le droit, comme tu disais, à un quota d'avion ou un quota de déplacement. Ça peut aussi être le genre de choses qui pend au nez de sociétés qui veulent mettre en place ce genre de choses. Après là c'est vraiment toute la difficulté de tout ça, c'est de le faire en restant une démocratie, effectivement. Parce que si tu bascules dans un système comme ça, je suis sûr que l'écologie soit le... C'est un argument qui est... Aurélien Barreau, par exemple, se fait méchamment taper dessus par des... je pense à des mecs comme Laurent Alexandre, la peur de la dictature verte, aussi à dire... la science et la technologie vont nous sauver. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que les gens qui mettent en avant la science et la technologie vont nous sauver, j'ai l'impression qu'ils ont une vision un peu biaisée, parce que le GIEC, c'est quand même des scientifiques. Donc, ils devraient avoir cet argument-là de dire c'est de la science, donc on l'écoute, que les arguments nous arrangent ou pas, en fait. Dire que la science va nous sauver, c'est spéculatif, parce que l'avenir, ce n'est pas une répétition du passé, c'est parce qu'on s'en est toujours tiré jusque-là qu'on s'en tirera toujours. L'autre jour, donc c'est un transhumaniste, ce gars-là, la personne dont tu citais, là. Et il devait faire un débat avec Philippe Biwitz, puis bon, il n'est pas venu au débat, je sais pas quoi. Et Biwitz disait, mais ces gens-là qui nous vendent de la science, là, si tu prends par exemple le marché des gens qui n'ont plus de cheveux, c'est un marché énorme, si tu es capable de faire pousser des cheveux aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'argent à gagner, il y a du client, et puis tu peux le vendre cher. Il dit, mais ça, on ne sait même pas le faire. On ne sait pas faire pousser des cheveux, mais ces gens-là, ils nous vendre le fait qu'on va pouvoir conserver des corps plus longtemps, vivre plus longtemps. Il y a une espèce de promesse qui n'est jamais tenue, quoi. Si tu veux, ça fait des années qu'on nous vend des panneaux solaires, des éoliennes et tout. Tout le monde en a planté. Et puis, résultat des courses, l'année dernière, on a encore fait 1,7% de gaz à effet de serre en plus. La Belgique arrête ses centrales à charbon pour mettre des centrales au gaz. Il y a les lobbies du gaz qui ont bien travaillé, ça c'est aucun doute, mais c'est aussi parce que les promesses ne sont pas tenues en termes de panneaux solaires, en termes d'éolien, etc. Tous ces trucs-là sont extrêmement coûteux en matériaux. Il y a une énergie, l'énergie solaire, elle est diffuse, et si tu veux la concentrer, si tu veux l'utiliser, tu as besoin de beaucoup de matériaux, tout ça, c'est pas gratuit, ça marche pas aussi bien que ça. Puis il y a toujours les problèmes, quand on parle d'électricité, il y a toujours le problème du stockage, qui est pas vraiment résolu. On nous fait toujours des promesses qui ne sont jamais tenues. Donc, c'est des gens qui ont peut-être envie de rien changer parce que le système leur convient pour l'instant. Et puis, que quand ça ira mal, ils pensent qu'eux se mettront à l'abri. Tu peux écouter Gaël Giraud là-dessus qui racontait. Donc, c'est un économiste qui travaille à l'AFD, l'Agence française du développement, et qui disait qu'il avait rencontré des gens à la City pour. Exposer tous ces problèmes de réchauffement climatique. Et il disait, la transition énergétique, il faut qu'on la finance. Et quand je dis transition énergétique, c'est vraiment changer de mode de vie, c'est pas planter des panneaux solaires. Il faut le financer, il faut faire quelque chose. Et les mecs lui ont dit, non, on fera pas. C'est trop cher, on fera pas. Ah bon, mais alors, ok, on fait pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit, nous, nos enfants, on les mettra dans les lycées en Suède. Et puis on va attendre que les Chinois fassent. En gros, c'est des gens,
pour qui le système il leur convient pour l'instant. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont à l'aise financièrement. Le jour où ça ira mal, ils iront un peu plus loin en laissant le merdier aux autres. Et puis, c'est des gens qui ont abandonné l'idée de vivre ensemble, quoi, en gros. Et pour eux, il y aura eux dans un bunker, tout ira bien. Et puis les autres, ils se démerderont. Ils se font des illusions. Hein. Il n'y aura pas 1,5 milliard de réfugiés climatiques à l'échelle mondiale et tout se passera bien. C'est qu'à voir le bazar que c'est pour quelques millions de réfugiés aujourd'hui. Ça ne va pas bien se passer, quoi. Où il donne, enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, enfin, qui a travaillé à une époque dans l'humanitaire. Et l'image qu'il donnait, c'est les centres de, comment dire, les centres d'expatriés en Afrique. Et il explique, il dit, c'est des gens qui sont, ils vivent dans des camps. Voilà, c'est fermé. Il y a des anciens militaires à la retraite qui les aident à organiser la sécurité et tout. Et dans ces camps-là, les Européens, ils lavent leur bagnole avec de, ils lavent leur voiture avec de l'eau courante. Et alors, dehors du camp, les gens, ils n'ont pas de quoi boire. Meurt de faim, meurt de soif. Et alors je sais pas, je pense qu'il y a toute une partie des élites qui est dans cette idée qu'ils sont pas concernés, que le système il va bien pour l'instant, qu'il n'y a pas besoin de le changer, quoi. Pour nuancer un peu ce que tu viens de dire. Les élites, c'est assez. C'est rapide d'aller sur elle, ça. Mais on est tous concernés, en fait. C'est-à-dire que nous, là, on consomme tous beaucoup plus que des pays en voie de développement, etc. Je suis d'accord. Et c'est un commentaire un peu politique que je vais faire, mais là, nous, on est tous bloqués dans un jeu du prisonnier géant. C'est-à-dire que nos intérêts individuels, ils ne correspondent pas du tout à l'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'on, qui va arrêter de regarder Game of Thrones en HD, qui va arrêter de prendre sa voiture, etc. etc. Ah bah, enfin, qui va vouloir travailler moins pour gagner deux fois moins. Je ne suis pas tout à fait d'accord, tu peux faire des choses. On peut faire des choses, oui. Mais tu peux arrêter de prendre ta voiture. Pour que ça soit significatif, c'est énorme. Faut que tout le monde, pour par que ce soit significatif, il faut que tout le monde le fasse, c'est surtout ça. Je pense et au niveau mondial, en plus. Les initiatives. Alors, ça dépend, quand tu regardes les graphiques, c'est surtout les 10% les plus riches qu'il faut qu'ils se calment un peu. Oui. D'accord. Parce que oui, mais tout le monde veut nous rattraper. Non, alors justement, ça, je peux te remonter, si on a encore un peu de temps. Je vais te montrer un slide. Par exemple, je voyais un sondage sur ça, là. Les Chinois sont très très nombreux à avoir un avis positif sur l'avenir. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, par exemple. C'est, pour eux, ils connaissent de la croissance énormément là, depuis 30 ans, donc tout va bien, en fait. Bon, ça se calme, ils font toujours 6% par an. Ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que la Chine, dans les 20 ou 30 dernières années, a sorti 700 millions de personnes de la misère. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'était un slide aussi qui est présenté par, toujours par Gaël Giraud. Pareil, c'est les confs de Gaël Giraud, je vous conseille. Et en gros, il explique que le PIB, c'est en fait un très mauvais indicateur. Et qu'on prend un autre qui s'appelle l'IDH, l'indice de développement humain. Et l'indice de développement humain, il ne prend pas que la richesse produite par habitant, c'est un des paramètres. Les deux autres paramètres, c'est le niveau d'éducation des gens quand ils ont 18 ans, et puis c'est l'espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est un indicateur. Donc c'est celui qu'on voit ici, c'est sur cet axe-là. Donc on voit que quand vous avez un IDH qui est au-delà, donc il est entre 0 et 1, et quand vous avez un IDH qui est au-delà de 0,8, vous commencez à avoir des choses qui sont sympathiques. L'IDH, je crois que l'IDH de 0,8, c'est l'IDH d'un Russe, quoi. Donc vous commencez, et donc dès que vous êtes au-dessus, c'est plus confortable. Et puis vous avez l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est ce que tu consommes, donc c'est pareil, là, tu vois, sur cet axe-là. Donc ce que tu disais, c'est que, et donc en fait, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, si vous prenez ces deux axes-là, c'est que, là, et là vous avez des lignes qui sont la capacité de la Terre à supporter la population, quoi. Donc là, c'est celle en 61, et ça, c'est celle en 2012. Donc forcément, avec le temps, plus on épuise les ressources, et plus elles baissent. Et donc l'idéal, évidemment, ça serait d'être en fait, en gros, dans ce rectangle-là. C'est-à-dire être capable d'avoir un IDH qui est supérieur à 0,8, et une empreinte carbone qui est supérieure, enfin, empreinte écologique, on va dire, qui est inférieure à ce que capable de nous offrir la Terre. Donc en fait, et toi, ce que tu dis, les autres, ils vont. Alors effectivement, si tu penses que tous les pays qui sont là vont venir là, ben, ils n'y arriveront jamais, en fait. Parce que ça ne tiendra pas. Ce qu'on fait
à ce que font les 10% les plus riches, tu ne peux pas le faire x9 parce qu'il n'y aura pas les ressources, il n'y aura pas la capacité pour le faire. Mais il dit par contre, c'est un but à atteindre qui est assez intéressant parce que ce qu'il faut faire, c'est expliquer aux gens qui sont là qu'il faut descendre ici sans pour autant que leur idéal baisse trop, c'est-à-dire il faut surtout réduire notre empreinte écologique pour aller vers ça. Et puis pour les pays en développement, il faut leur expliquer que notre mode de vie, ce n'est pas un modèle, mais qu'il faut qu'ils arrivent à augmenter, enfin on peut les aider bien sûr, qu'ils arrivent à augmenter leur IDH pour aller ici. Donc pour eux, c'est augmenter l'IDH sans augmenter l'empreinte écologique, et pour nous, c'est baisser l'empreinte écologique. Et finalement, c'est un projet de société qui n'est pas déconnant. Il explique aussi qu'il y a quelques années, il y a un pays qui était là, c'était Cuba. Et il dit, c'est vrai qu'on a envie de faire comme Cuba, mais avec un peu plus de démocratie quand même, quoi. Donc Cuba, on est sorti, je ne sais pas pourquoi. Et donc, en fait, c'est ce que tu décrivais, c'est exactement, enfin, c'est ce que disait, alors, je ne me rappelle plus le nom du président américain après la Deuxième Guerre mondiale, c'est, les pays en développement, il faut qu'ils viennent, même niveau, on est d'accord, il faut les aider à venir ici, sauf que c'est juste pas possible. Et pour faire la remarque avec la première, on retombe dans le positivisme, un peu, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une courbe qui se dessine et que pour arriver sous la barre, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de retourner à gauche. Ben non, justement, l'idée, c'est pas que nous on fasse ça. Enfin, ça, que les pays qui sont là fassent ça, c'est pas possible, ça tiendra pas. Que nous on fasse ça, personnellement, j'ai pas très envie, parce que si on fait ça, ça veut dire que l'espérance de vie baisse. Ou... Ce que t'as raconté, c'est logique. Ce que dit Meadows, c'est que la conclusion du rapport de Meadows, c'est que tu peux pas vouloir avoir une population qui croît toujours et qui consomme toujours plus. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une population qui se stabilise et qui est raisonnable, sobre, sur ce qu'elle consomme. C'est pas... Je te dis, le dernier continent qui va faire sa transition... Tous les continents ont fait leur transition démographique. Le dernier qui va le faire, c'est l'Afrique. Et je veux dire, après, on peut imaginer une population qui augmente doucement et des pays riches qui consomment raisonnablement. Après, le problème, c'est que les initiatives individuelles, c'est pas suffisant, quoi. Ça, on peut, mais dire qu'individuellement on peut rien faire, si, on peut arrêter de prendre l'avion, on peut prendre moins sa voiture, quand on en a les moyens, acheter plutôt du bio, plutôt du local, mais c'est vrai que ça coûte plus cher, ça, il faut avoir les moyens de le faire. Il y a quand même plein de choses qu'on peut faire. On n'est pas obligé de changer sa télé 4K pour une 8K. Ça, c'est pas vrai. Hein. Moi, mon Mac, là, je te jure que je vais l'user jusqu'à la moelle. Tant qu'il lâche pas, je le garde. Et pourtant, je fais du développement, donc je suis plutôt un utilisateur exigeant en termes de. Mais voilà, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a une époque où quand mes appareils ménagers tombent en panne, je n'ai pas passé mon après-midi à réparer ça, j'en ai acheté un autre. Maintenant, c'est fini. J'ai passé une semaine sur mon micro-ondes il n'y a pas longtemps, mais j'ai réparé. Et ça m'a coûté 8 euros, en plus. Non, mais je veux dire, il y a quand même des choses qu'on peut faire, quoi. Effectivement, si t'as pas conscience des enjeux, tu fais pas, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'égoïsme également ? Parce qu'on n'est pas trop égoïste et qu'on ne pense pas plus à partager ou à accepter de vivre en communauté ? Je pense pas que c'est un problème d'égoïsme. Je pense que c'est qu'on pense. Enfin, objectivement, il y a encore 5 ans, je prenais l'avion et j'avais pas l'impression que ça soit dramatique, quoi. Je veux dire, c'est aussi un problème de, je veux dire, de connaissance, mais c'est aussi un problème de prise de conscience, quoi. Je veux dire, les gens qui font 500 mètres avec leur bagnole, il y en a plein. Et je suis pas sûr qu'ils pensent pas que c'est grave, quoi. 500 mètres en bagnole, ça fait 50 ans, enfin, ça fait 20 ans qu'on fait 500 mètres en bagnole et il y a toujours des arbres, ça va. C'est pas forcément de l'égoïsme, c'est aussi une prise de conscience des impacts réels qu'on a, quoi. Alors après, que des gens aient conscience de ça et qu'ils disent mais moi j'en ai rien à foutre parce que c'est pas grave, on continue comme ça, puis ça va bien, je dis pas que ça existe pas. Hein. Je pense qu'il y a, il y a vraiment une méconnaissance sur ce qu'on risque, quoi.
Une bonne façon aujourd'hui de faire, ce serait de poquer les gens obligatoire pendant une heure devant du Pablo Servigne. Je peux pas dire qu'il y en a qui vont moins prendre leur bagnole rapidement. Ou alors ils sont inconscients. Bon, là, dans ce cas-là, forcément, si on est inconscient, on ira à notre perte. Puis voilà, c'est comme ça. Mais j'y crois pas. Et le fait que la société nous pousse toujours à consommer. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'on est plus dans une économie de l'offre qu'une économie de la demande. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais je crois pas qu'on ait le temps de faire ça, franchement, aujourd'hui. Hein. Et justement, le... ça m'a surpris au début, dans votre présentation, vous avez pris en compte l'impact environnemental lors de la création d'une tablette, d'un smartphone, etc., lors de l'utilisation. Et justement, si jamais on souhaite véritablement se concentrer sur l'impact environnemental, il y a également la destruction, le déchet. Ouais, la partie recyclage. Alors, les gens qui ont écrit ce rapport du Shift, là, ils disent que c'est extrêmement difficile d'avoir des données fiables sur ce sujet-là. Donc, OK, c'est vrai que c'est un vrai problème, tout ce qui est recyclage. Et notamment, alors, quand on fait des smartphones qui sont de plus en plus petits et de plus en plus concentrés, enfin de plus en plus petits, avec des alliages de métaux rares, etc., en fait, quand on dit qu'on les recycle, ben, on les recycle moyen, parce que ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas capable de récupérer les métaux. Alors, donc, effectivement, on les met pas, quand on les recycle, on les met pas à la poubelle ou on les enterre pas. Mais en gros, on va faire du béton pour construire des immeubles, quoi, et on va les refondre. Donc, il n'y a pas vraiment de cycle vertueux, quoi. Mais oui, le recyclage, c'est un vrai problème. Et alors, c'est pareil, là, je vous conseille Philippe Biwix, qui a écrit l'ère des low-tech. C'est lui qui a inventé ce terme des low-tech par opposition au high-tech. Et en gros, son discours, c'est de dire il n'y aura pas, va pas y avoir une sortie par le haut, une sortie, la science et la technologie va nous sauver. C'est plutôt le contraire qui va se passer. C'est plutôt un retour à des technologies raisonnables. Des technologies plus sobres, des choses plus réparables. Peut-être qu'on aura, je ne sais pas, mais vraiment, c'est dire, bon, peut-être qu'on aura des téléphones plus gros, peut-être qu'ils seront plus, ils feront moins de choses, ils seront moins puissants, mais on pourra les garder plus longtemps, on pourra les réparer plus facilement. C'est quelqu'un qui prône, par exemple, sur les voitures, le retour à la. Enfin, il dit, il n'y a qu'un seul véhicule écologique, au bout du compte, c'est le vélo. Bon, en attendant, comme on ne peut pas faire tous du vélo du jour au lendemain, construire des voitures. Plutôt des pots de yaourt qui sont limités à 70, par exemple, c'est un bon chemin. C'est plus un retour à la 4L qui prône, quoi. Enfin, un retour à la 4L avec les connaissances qu'on a aujourd'hui et donc tous les gains d'efficacité qu'on a su faire depuis l'époque où on travaillait les 4L, on fabriquait des 4L. Et ça, moi, je pense que c'est une approche intéressante. Mais en plus, Biwix, ses cours sont vraiment intéressantes. Il propose des solutions concrètes. Et effectivement, alors aujourd'hui, si tu regardes la façon dont évoluent les voitures, on a des voitures qui sont toujours de plus en plus grosses, avec toujours de plus en plus d'électronique dedans. C'est vrai que... Est-ce que le Peugeot fabrique des SUV parce que c'est ce que veulent acheter les clients, ou est-ce que les clients, ils achètent des SUV parce que c'est ce que Peugeot fabrique? Je ne sais pas. Quoi? Mais ils ne vendent pas. Ben là, pour le coup, l'État, si l'État veut faire des choses, alors je sais bien qu'il faut faire gaffe parce qu'on a vite fait de mettre des gens en jaune sur les ronds-points, mais taxer plus les grosses voitures qui consomment plus, c'est pas déconnant, quoi. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué. Quand tu vois les tollés que ça fait juste de dire aux gens, vous allez arrêter de rouler à 90, vous allez passer à 80, c'est liberticide. Ouais, J'ai une question par rapport au low-tech et au fait que d'avoir des choses comme lutter contre l'obsolescence programmée, tout ça. L'obsolescence programmée, ça a quand même permis à des boîtes d'augmenter leur chiffre d'affaires, leur marge, tout ça. Donc c'est un avantage concurrentiel. Donc, comment est-ce que, sans passer par une réglementation très forte, tu peux avoir une généralisation, un changement à une échelle suffisamment grande pour que ça change la donne? Dans un environnement concurrentiel, tu as raison, c'est pas possible.
Moi, je travaille chez un opérateur. Alors, je suis là à titre personnel ce soir. Donc, tout ce que je dis, ça n'engage pas mon employeur. Mais je travaille chez un opérateur où tu as des gens qui disent « mais il ne faut pas passer à la 5G ». Ok, on peut. Mais on va se faire dézinguer par les autres. Si tous les opérateurs français ne passent pas à la 5G, alors on peut dire « on ne passe pas à la 5G ». Mais le faire tout seul dans son coin. Et là, quand même, il y a un vrai courage politique à avoir pour prendre ce genre de mesures. Quoi. Là, les politiques, ils ont vraiment la main sur des choses comme ça. Dire qu'on va fabriquer des voitures plus petites, qui consomment moins, que si tu es une famille de 5, que tu achètes un monospace, why not ? Mais si tu es 2, bah non, tu n'achètes pas un monospace. Ce qui se passe aujourd'hui, quand tu regardes les statistiques, les voitures qui se vendent de plus, c'est les SUV, voitures neuves. Et qui a les moyens d'acheter des voitures neuves ? Grosso modo, c'est les retraités. Enfin, c'est les gens qui vont les retraités ou les gens qui sont plutôt proches de la retraite. Et donc, ça fait des cercles vicieux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après, ces gens-là, ils remettent sur le marché leurs voitures d'occasion. Et en général, c'est des gens qui sont plutôt en début de carrière ou qui ont moins de moyens, qui rachètent des véhicules d'occasion, qui se retrouvent à acheter ces voitures qui sont plus gros, plus lourds, plus consommateurs. Je veux dire, vraiment, je pense que... Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a aussi des mesures qui relèvent du courage politique et qu'on pourrait prendre à un moment donné, quoi. On nous dit toujours qu'on ne peut pas taxer l'avion, c'est pas possible de taxer l'avion parce que c'est international et l'accord de je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, on peut mettre une taxe sur chaque avion qui se pose en France. C'est possible. Faut pas déconner, quoi. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir avoir vraiment une vraie catastrophe, je dirais, humanitaire due au climat pour qu'il y ait une vraie prise de conscience à ce moment-là ? C'est ce que dit... Dans tous les gens que j'écoute, donc je vous ai donné un certain nombre de noms, là, vous pouvez écouter Philippe Biwix, vous pouvez écouter Guillaume Pitron, vous pouvez écouter Gaël Giraud, vous pouvez écouter Jean-Marc Jancovici, qui, même si c'est un... Jean-Marc Jancovici, c'est un pro-nucléaire, donc il faut le savoir quand on écoute son discours, mais en dehors de ça, il est vraiment extrêmement intéressant à écouter. Et tous ces gens-là disent que... Et Meadows disait déjà en 60... Meadows dit en 2012... Quand il est réinterviewé, il dit de toute façon, le développement durable, vous oubliez. Maintenant, il faut faire un développement résilient. C'est-à-dire que tous, ou presque sans exception, disent qu'on va se prendre une grosse baffe. Ils ne savent pas ce que ça sera, la grosse baffe. Ils ne savent pas si c'est l'Inde et le Pakistan qui vont se balancer des bombes nucléaires sur la tronche. Ils se disent pareil. Ils ne savent pas quel est le facteur déclenchant, qu'est-ce qu'on va se prendre. Mais ils disent que de toute façon, aujourd'hui, c'est trop tard pour que ça se passe. Ça se passe pas mal à un moment donné. Et que le mieux qu'on a à faire, donc Pablo Servigne qui est collapsologue, qui dit que ça va s'effondrer, mais qui dit pas ça va s'effondrer, on va tous mourir, ça va se finir comme ça. Qui dit aussi que va falloir, il faut qu'on fasse le deuil de l'avenir qu'on imaginait, enfin qu'on pensait avoir et qu'on en imagine un autre. Alors je sais pas s'il faut qualifier ça d'une chance, mais en tout cas qu'on pourra s'en sortir. Mais j'ai jamais entendu dire personne tranquille, on va prendre le virage, vous allez voir, ça va bien se passer. Non, ça, à part peut-être Laurent Alexandre. Ça, c'est Laurent Alexandre, mais sinon... Et pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais d'une économie de guerre et que les Américains avaient eu un Pearl Harbor. Dans le cas de Pearl Harbor, l'ennemi, c'était les Japonais. C'était pas un ennemi de l'intérieur, donc il n'y a pas d'autocritique à avoir. Alors que si jamais il y a une catastrophe, du n'importe quoi, il y a des millions de morts en Chine par des inondations là-dessus, c'est... Ça reste les autres, en fait. L'introspection sur notre mode de consommation, c'est compliqué de trouver un Pearl Harbor écologique. Ah oui, je pense que là, quand je faisais le parallèle avec Pearl Harbor, à l'époque, c'est facile, quoi. Je veux dire, tu as du jour au lendemain un pays qui vient bombarder chez toi, sans prévenir, pas de déclaration de guerre. Et on te dit, ils veulent la guerre, on va être obligé de la faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se laisse taper dessus ou on fait la guerre ? Évidemment que tu ne te laisses pas taper dessus, donc c'est facile. Pour les autres, la recherche de coupables, dans la montée des eaux, là, 3 mètres en 2100, il y a le Bangladesh qui est concerné aussi. Alors, je crois que c'est tout le Bangladesh, un tiers du Bangladesh Sud, c'est 60 millions d'habitants. On se retrouvait sans maison. Et il y a un journaliste spécialisé américain là, qui disait, j'avais noté sa phrase, que quand ça va se passer, ce qui va être un génocide climatique, ils vont nécessairement chercher un coupable. Et donc, Bangladesh, Inde, Pakistan, ça ne va pas bien se passer. Hein, pas bien du tout. Ça fait partie des éléments déclenchants.
Et en plus, là, pour le côté comparaison avec Pearl Harbor, on a peut-être déjà vécu des événements liés au réchauffement climatique qui ont des impacts énormes. Entre autres, je pense à la guerre en Syrie, où il y a des... Alors le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas dire, bon, c'est le réchauffement climatique, il y a tout un tas de causes. Mais bout à bout, ça. Ouais, faut lire, il y a une sécheresse énorme, etc. Là, vous pouvez lire Jean-Marc Jancovici, il a écrit un livre qui s'appelle Dormez tranquille jusqu'en 2100. Alors, je crois qu'il a. Il a nommé son livre comme ça parce qu'il disait qu'il arrivait de faire. Il arrêtait de faire des graphiques qui s'arrêtaient en 2100 dans ses présentations parce que ça laisse entendre qu'en fait, tout va bien jusque-là, ne vous inquiétez pas. Il aborde plein de sujets, notamment celui de la guerre en Syrie, pour lequel le réchauffement climatique n'est pas vraiment la cause unique, mais qui est un facteur. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, donc ce qui se passe, je crois que c'est, vous m'excuserez les approximations, mais on va dire, en 2007-2008, il y a une sécheresse importante en Ukraine, je crois, qui fait que l'Ukraine, qui est un gros exportateur de blé, va... arrête les exportations, dire moi j'ai pas de quoi exporter donc j'arrête. Le prix du blé va flamber et donc il y a un certain nombre de pays pour qui ça va poser problème. Alors, et la Syrie notamment va très mal gérer cette situation-là. Bachar el-Assad, il va complètement se gaufrer. Jancovici dit en Syrie, les gens ils sont peut-être descendus pour avoir de la démocratie, mais ils sont surtout descendus parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. Et il fait le parallèle avec tous les pays qui ont réussi à bien le gérer, par exemple l'Algérie l'a bien géré, le Maroc qui a une certaine autosuffisance alimentaire l'a bien géré, et il y a des pays qui ne l'ont pas bien géré, il y a eu la Tunisie avec ce qui est arrivé, et il y a eu l'Égypte. Donc on ne peut pas dire que c'est le réchauffement climatique qui est la cause directe du problème, mais dans un pays où les dirigeants ne sont pas capables de faire face à un événement comme ça, ça se finit mal. Et le dénuement de certains pays face à ces événements-là, il est énorme. Gail Giraud, il donne un exemple. Il a été enseignant à une époque au Tchad, donc dans une conférence internationale, il rencontre le premier ministre, le ministre de l'économie, donc il connaît bien, il parle de ça. Et le ministre de l'économie lui dit, tiens, Gail, toi qui as été prof en lycée au Tchad là, et tu connais pas, t'as pas un étudiant qui serait bon en maths à me conseiller? Alors, il dit, je peux rechercher, mais pourquoi tu as besoin de ça? Il dit, j'ai personne pour me faire des statistiques. Le ministre de l'économie au Tchad, il n'a pas quelqu'un qui lui fait des stats. C'est un pays qui est complètement... Enfin, le dénuement du pouvoir public est tel qu'ils ne sont absolument pas taillés pour faire face à ça. Nous, on l'est plus, mais... Je veux pas simplifier. Hein. Je dis pas réchauffement climatique donc guerre en Syrie. Je dis que c'est un facteur aggravant. Comme pour le quand je parlais de l'agriculture tout à l'heure, c'est pas le réchauffement climatique qui va faire s'effondrer l'agriculture. Mais autour de l'agriculture, il y a un certain nombre. Et là, Pablo Servigne est intéressant à écouter. Il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'on peut être inquiet vraiment à court terme. Il y avait sur Arte, il y a eu un truc sur l'agriculture, qui est passé il y a quelques temps, où il y a un ingénieur agronome allemand qui dit, dans 5 à 10 ans, là, au rythme actuel, dans 5 à 10 ans, le prix des aliments va exploser. Dans 5 à 10 ans. À cause de... Alors lui, il parlait entre autres des pesticides et des engrais. On voit des gars tous les ans, il y a un agriculteur allemand, il dit que, en gros, tous les ans, soit il met plus d'engrais que l'année dernière et il garde son rendement, soit il en met autant que l'année dernière, ses rendements baissent. C'est intenable comme solution. Donc, dans un contexte comme ça, un pic pétrolier, ça court vraiment à la catastrophe. Quoi. Alors, on parlait de différentes températures. Alors, je trouve que j'étais à Niamey, au Niger, où, pour là-bas, il faisait 43 dans la journée et 30 la nuit. Vous avez des différentes températures avec les années précédentes qui étaient de l'ordre de 5 à 7 degrés. Avec des bras du fleuve Niger qui n'existaient plus. Ah ouais, mais... Alors, les différences de température sont plus importantes, je crois, au pôle et au tropique. C'est là qu'il y a le plus de différences. Mais effectivement, il y a déjà des pays qui sont directement impactés. L'Amérique du Sud, c'est pas que un problème de réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique fait que ça tient pas, quoi. Je vous propose qu'on arrête là pour les questions. On va mettre un peu de gâteau apéro et de quoi boire si vous voulez continuer à discuter.
Et donc voilà, merci. Je pense qu'on peut applaudir une nouvelle fois.